Monsieur Steve Saint-Gelais, PDG de Boissaco. Madame, c'est le prénom que j'oublie tout le temps, Julie Labille, qui est la responsable des communications chez Boissaco. Nous avons aussi en salle Madame Ovington, qui nous fait l'honneur de sa présence, du bureau de Madame Marilyn Gill, gouvernement. Les membres du conseil municipal sont ici. Je vois une belle présence des entrepreneurs, des citoyens, la ZEC, voilà, vous tous. Merci beaucoup de votre présence. L'objectif ce soir, dans l'heure qui va suivre, la parole va être aux représentants de Boissaco. Informer la population de l'enjeu caribou. Vous en avez certainement entendu parler, que ce soit dans les journaux, les médias ou dans votre vécu quotidien, c'est évident. Il y a au-dessus de nos têtes la possibilité d'un décret sur la protection du caribou du gouvernement fédéral. Boissaco va nous dire, les entrepreneurs vont nous dire, ça aurait quoi comme impact? Je ne vous cacherai pas qu'on est inquiet de la situation, que ce soit autant pour Sacré-Cœur qui a une usine, mais pour Forestville qui a aussi bien des entrepreneurs, des travailleurs et des retombées économiques dans le milieu. Donc, il faut qu'on prenne l'information de premier plan des dirigeants de Boissaco. Quelle est la situation? Quels sont les enjeux? Et quelles pourraient être les conséquences? Fait qu'il y a une présentation, puis il y a une période de questions par la suite. Comme ça. Alors, merci beaucoup de votre présence. C'est à vous. Donc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Mme Anctil, pour cette introduction, puis merci de nous avoir permis d'avoir le local, puis toute cette organisation-là pour organiser cette séance d'information-là. Donc, Mme Anctil l'a bien dit, c'est un enjeu qui est quand même important, qui est quand même très important pour notre milieu. Vous savez, vous avez probablement déjà entendu parler du caribou. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille dans le dossier. On avait eu l'occasion d'avoir différents épisodes. Du côté du provincial, il y avait des enjeux qui étaient quand même relativement importants jusqu'à il y a à peu près un an et demi. Donc, on a eu l'occasion de faire réaliser. Là, il y a eu différentes interventions qui ont été faites pour que le gouvernement provincial puisse prendre acte des enjeux puis des conséquences. Puis, mais ça, malheureusement, on pensait d'avoir un certain répit après tout ça, mais malheureusement, donc, avec l'annonce du décret qui a eu lieu tout de suite après que le provincial a annoncé certaines mesures, mais qui étaient quand même bien ciblées puis mieux mesurées pour s'assurer de ne pas créer d'impact, finalement. Donc, le décret a été annoncé en juin dernier. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Le but, c'est d'essayer de vous fournir le maximum d'informations la plus pertinente possible. Il va y avoir une période de questions, comme Mme Montiel disait tantôt. Donc, n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Puis l'important, c'est de pouvoir éclaircir le plus possible. Donc, n'hésitez pas, vos questions qui vont être posées, ben, ça va éclairer d'autres personnes qui se posent peut-être la même question. Donc, le but, c'est vraiment de fournir l'information de manière la plus transparente possible. Donc, juste pour faire une petite mise en situation, Boissaco est pour la protection du caribou. Ça, je tiens à vous le dire, on l'a affirmé depuis déjà plusieurs années, puis on va continuer de le réaffirmer. La mission de Boissaco, vous le savez, Boissaco, c'est une organisation qui appartient aux travailleurs, aux citoyens du milieu, puis la mission, ben, c'est d'être un moteur de développement durable pour notre milieu. Donc, c'est ni plus ni moins que notre mission. Puis, dans l'aspect développement durable, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois grandes facettes dans le développement durable. Il y a l'environnement, le social et l'économie. Donc, les trois doivent être pris en compte pour cadrer dans un esprit de développement durable. Vous comprenez que le respect de la biodiversité, le respect des espèces, ça fait partie de la mission de Boissaco de développement durable. Puis donc, on est pour la protection du caribou. La seule hic, c'est que c'est pas à n'importe quel prix. C'est pas de n'importe quelle manière puis à n'importe quel prix. Donc, c'est ce qu'il faut juste mettre en perspective. Donc, pour nous, ben, les impacts, ces humains, ils doivent être pris en compte. Donc, vous avez eu l'occasion de le voir quand même dans tout ce qui a été véhiculé à date dans le dossier du décret. En tout cas, nous, on a eu l'occasion de pouvoir le constater que il y a des éléments, dans le fond, le but principal est de protéger une espèce, bien évidemment, mais les autres enjeux n'ont pas été pris en compte. On a eu l'occasion de le valider dans les différents échanges qu'on a eus dans les rencontres qu'il y a eu jusqu'à présent. Les autres enjeux n'ont pas été pris en compte, puis le fédéral, malheureusement,
n'a pas les informations pour être capable de prendre en compte. Donc, il n'y a pas cette compétence-là. C'est une compétence provinciale. Quand on parle d'une compétence provinciale, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le provincial qui a la capacité de voir clair puis de évaluer les différents enjeux ou les différents impacts qu'il pourrait avoir, finalement. Donc, un autre élément fondamental aussi qu'on dit, donc, toutes les connaissances puis tous les faits doivent être considérés dans un esprit d'objectivité. Puis ça, malheureusement, je suis obligé de vous dire que pour avoir travaillé dans ce dossier-là depuis maintenant 5 ans, 4 ans et demi environ, il y a un grave manque d'objectivité par moment, surtout au niveau des informations qui sont véhiculées publiquement. Puis ça, c'est dommage parce que ça emmène à faire en sorte que notre société en général n'a pas tous les éléments pour bien voir puis de voir objectivement l'ensemble du portrait. Donc ça, c'est un élément qui pour nous est un élément important. C'est qu'il faut qu'on s'assure de prendre en compte tous les faits, tous les enjeux. Les solutions doivent être aussi adaptatives, évolutives, dans le sens où, regardez, la situation du caribou, c'est une espèce, dans le fond, qui a une situation qui est évolutive, un peu comme toutes les autres espèces. Hein. Je pense que tous ceux qui sont familiers un peu avec la forêt, là, vous savez que des fois, on voit dans des secteurs qu'il y a plus de lièvres, puis, à un moment donné, il y a plus d'ornards, puis le lièvre baisse, puis l'ornard baisse. En tout cas, vous comprenez que toutes les espèces ont des tendances puis des évolutions avec des cycles. Bien, le caribou est dans cette dynamique-là. En plus, bien, il y a des enjeux qui sont reliés, par exemple, à la montée des espèces vers le nord, qui fait que le caribou, au fil du temps, a quand même eu une répartition sur le territoire qui a évolué. Donc, quand on dit adaptative et évolutive, bien, c'est carrément ça. Il ne faut pas qu'on arrive avec un plan qui va être statique, parce que, dans le fond, il faut que ce plan-là soit évolutif autant que l'espèce du caribou l'est, finalement. Si on veut que ce soit possible de faire quelque chose qui va vraiment réussir à répondre à ces particularités. Donc, pour nous, il y a des solutions possibles pour protéger le caribou. Puis ça, on a eu l'occasion de déjà suggérer plusieurs pistes dans cet esprit-là. Puis c'est ce qu'on va continuer à faire et à défendre de toutes les manières possibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille. Oui, on est pour la protection du caribou, mais il faut que ce soit sans impact sur nos citoyens et nos communautés. Puis, à partir du moment qu'on respecte ces paramètres-là, bien, regardez, il y a des solutions possibles, puis il faut juste qu'on ait la capacité d'ouvrir les œillères. Puis ça, je dis ça, quand je dis ça, c'est... Comprenez que c'est notre gouvernement fédéral, puis plus particulièrement le ministère concerné de M. Guilbeault. Donc, puis si on était capable de s'amener dans un esprit de volonté en mode solution, mais sur des solutions sans impact, bien, il y en a plein de solutions possibles. Donc, un autre élément fondamental, donc la nécessité d'une concertation. Donc, on l'a affirmé depuis le début qu'on travaille dans ce dossier-là, c'est que c'est une solution pour qu'elle soit valable à long terme, mais il va falloir qu'on soit capable de s'assurer que toutes les parties prenantes soient impliquées, soient consultées, puis qu'on puisse réussir à dégager, dans le fond, des compromis. Dans le fond, il faut qu'on soit capable de répondre à tous les enjeux pour faire en sorte que les solutions vont être acceptables pour tout le monde. Donc, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la solution passe par la concertation, puis on le croit toujours très, très ardemment. Donc, pour se ramener plus spécifiquement au décret, OK? Donc, le décret, il découle d'une loi sur, dans le fond, c'est la loi sur les espèces en péril, c'est une loi fédérale, OK? Donc, le décret en question, donc, c'est pas une loi. Autrement dit, ça sera pas un processus qui se fait à la Chambre des communes. Ça se fait vraiment au niveau du Conseil des ministres. Donc, c'est le Conseil des ministres. C'est un peu comme un règlement, autrement dit. Donc, la loi sur les espèces en péril existe, mais le décret, c'est comme si c'était un règlement qui doit être adopté par le Conseil des ministres. Donc, c'est le processus qui est prévu pour l'adoption d'un décret. Donc... Le décret, actuellement, il est en préparation. Donc, vous l'avez entendu quand le ministre Guilbeault l'a annoncé, donc, le 18 juin dernier. Donc, ils ont annoncé un projet de décret, finalement. Donc, ils ont annoncé une volonté de préparer un décret. Puis, donc, depuis ce temps-là, ils ont eu l'occasion de déposer le projet en question. Puis, il y a une période de consultation qui a été déclenchée au moment de l'annonce du décret, c'est-à-dire le 18 juin dernier. Donc, la période de consultation était de 60 jours. Donc, il y a une semaine environ, la semaine passée, il y a eu une annonce, parce qu'il y a eu quand même plusieurs intervenants qui ont dénoncé le fait qu'on nous a arrivé avec cette annonce, le décret-là,
tout juste avant la période où il y a des vacances qui se prennent, puis c'est pas une période qui est très, très, très propice pour réussir à réaliser une consultation digne de ce nom, en tout cas, on va le dire comme ça. Donc, la semaine passée, il y a eu quand même un report de 3 semaines qui a été annoncé, donc c'est pour ça que le report, maintenant, la date butoir de la consultation, c'est le 15 septembre 2024, donc le 15 septembre prochain. Dans le cadre de cette consultation-là, c'est possible de réagir de différentes manières. Donc, c'est possible d'envoyer un mémoire. Quand on dit un mémoire, là, ça n'a pas besoin d'être un document de 200 pages. Hein. Ça peut être un document qui tient sur 1-2 pages. Mais le fait de s'exprimer, le fait d'exprimer ce qu'on a comme préoccupation puis comme enjeu, ben, je pense que c'est intéressant et c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on le mentionne. Mais il y a encore un moyen encore plus facile de pouvoir participer à cette consultation-là. Donc, c'est quand on voit le lien qui est là. Donc, c'est un formulaire, dans le fond, ni plus ni moins, qui a été formaté pour... Il y a une série de questions avec des endroits qui peuvent avoir du développement. Fait que c'est possible, justement, que toute personne, toute entreprise peut participer. Puis, regardez, comme c'est notre... Vous savez, là, cette consultation-là, elle s'adresse probablement à l'ensemble du Canada, puis elle s'adresse probablement à l'ensemble du Québec aussi. Vous êtes sûrement aussi au fait qu'on peut l'être, que les intervenants plus extrémistes vont se faire un plaisir d'aller le remplir autant que possible. Mais c'est qui les plus concernés dans tout ça? C'est nous autres. C'est notre avenir collectif qui est en jeu. Donc, c'est pour ça qu'on dit, regardez, c'est important d'aller s'exprimer puis de se faire entendre. C'est le moment de le faire parce qu'une fois que cette consultation-là va être passée, bien, il va être trop tard pour exprimer nos enjeux puis les faire valoir, finalement. En parallèle avec la période de consultation, dans le cadre de l'adoption d'un décret, il y a comme une analyse coût-avantage ACA. Donc, c'est fait ça par Environnement et Changement climatique Canada. C'est comme une analyse qui prend en compte les si on peut dire, les avantages et les inconvénients et les impacts, je suppose, là, de cette ACA-là. On n'en sait pas plus que ça. Ça se réalise en parallèle. Ben, en tout cas, c'est comme enclenché, si on peut dire. Avec les informations qu'on a eues, cette analyse-là aurait été enclenchée. Mais il n'y a pas de date butoir. Là. Donc, ça, on ne sait pas quand cette analyse-là va prendre fin. Mais c'est sûr qu'elle est obligatoire. Donc, elle est obligatoire dans le cadre de la loi. Puis, ça reste à préciser. On ne sait pas quand ça va se terminer. Puis, si on regarde au niveau de la période de consultation, donc la période de consultation se termine le 15 septembre. Donc, après le 15 septembre, c'est sûr que là, les gens de l'entourage de M. Guilbeault vont sûrement prendre acte de tout ce qu'il y a eu comme réaction puis comme préoccupation exprimée, commentaire. Puis, normalement, ils devraient travailler par la suite à la préparation d'un décret, d'un projet de décret en bonne et due forme qui devra être adopté par la suite par le Conseil des ministres. Donc là, encore là, il y a des échéanciers, il y a des délais ou des échéanciers qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas vraiment. Donc, ça fait partie des éléments qui demeurent un peu obscurs pour l'instant. Donc, si on passe maintenant à une portion plus au niveau du contenu du décret, OK? Donc, le décret en question, il prévoit la protection de 3 territoires où il y a présence de caribous. Donc, on parle de Charlevoix, des secteurs qui sont dans Charlevoix, Val-d'Or et Pipouancan. Donc, nous, c'est sûr et certain que le secteur qui nous concerne, c'est le secteur Pipouancan. C'est le secteur qui a le plus grand impact en termes de territoire, là. Donc, on parle de 1 million d'hectares ou 10 000 km². Donc, 10 000 km², là, c'est plus de 20 fois l'île de Montréal. Là. C'est pas rien. Là. Mais juste pour vous faire réaliser à quel point on est rendu un peu à des visions extrêmes au niveau de la protection, le gouvernement du Québec a annoncé récemment, pour la Côte-Nord, là, sur la Côte-Nord, dans le cadre des mesures qui ont été annoncées pour la protection du caribou, donc il y a eu des mesures d'annoncer des projets pilotes dans Charlevoix, dans la Gaspésie. Mais sur la Côte-Nord, ils ont annoncé l'agrandissement d'une aire protégée. Cette aire protégée-là, qui s'appelle Manouane-Manicouagan, bien, elle avait avant 5 000 km², elle va passer à 10 000 km². Encore là, 20 fois l'île de Montréal. Ça a été fait, ça, puis c'est annoncé, là. Mais c'est comme s'il n'y avait rien eu qui s'était fait encore. Vous comprenez, là? On dirait qu'il n'y a plus rien qui compte. On dirait que tout ce qui se fait, c'est jamais assez. Puis pour M. Guilbeault, on s'entend qu'on connaît son passé, là. Fait que, d'après moi, il n'y aura jamais rien qui va être assez pour lui. On s'entend. Donc, est-ce que le décret, le projet de décret prévoit, donc, une interdiction de récolte de bois immédiate?
Donc, avec les délais qu'on disait tantôt, qu'on voit un peu d'imprécision, là, on ne sait pas exactement quand pourrait arriver une adoption. Mais le jour où le décret arrive, ben, c'est une interdiction d'opération dans les secteurs. Puis là, vous voyez les secteurs concernés, là. Donc, c'est tout ce qui est en vert ici, là. Ça, c'est le nord de la Haute-Côte-Nord, là, en gros, là. Donc, on voit que c'est tous les secteurs en vert. Ça représente pas loin de 40 % du territoire. C'est quand même très, très, très significatif. Donc, si le décret, le jour où il est adopté, le décret, quand on regarde au niveau des approvisionnements qui étaient prévus, les territoires de récolte qui étaient prévus cette année, là, donc il y en a 70 % qui se retrouvent dans les territoires ciblés. Là. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que dès cette année, il y a 70 % des opérations qu'on n'est plus capable de réaliser, à part celles qui ont déjà été réalisées, bien sûr, là, mais le jour où le décret passe, ça devient interdit. Donc ça, c'est quand même significatif, puis c'est ce qui fait que c'est criant comme impact, ça serait des impacts dès cette année. Puis, si on le regarde sur l'horizon des approvisionnements à long terme, donc ce qu'on a pu réussir à calculer avec les données que le forestier en chef a faites, il y a eu une analyse qui a été faite par le forestier en chef, donc en gros, là, c'est une baisse qui est de plus de 50 % entre 50 et 60 % des approvisionnements de bois saco annuellement. Donc, vous comprenez que à ces niveaux-là, là, on parle de catastrophe, puis c'est pas rien. Puis en passant, regardez... notre ami Guilbeault, il parlait souvent de campagne de peur, mais campagne de peur, là, c'est parce qu'il ne sait pas de quoi il parle, parce que nous autres, on le sait de quoi on parle, puis c'est pas une campagne de peur, c'est la vraie vie, ça, là. Puis, juste pour vous dire aussi, donc, il n'y a aucune autre mesure qui est prévue dans le plan. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas logique que le fédéral intervienne. C'est parce que le fédéral, il n'a même pas la capacité d'intervenir sur toutes les autres mesures qui devraient logiquement faire partie d'un plan si on veut réellement travailler à la protection du caribou. Donc, entre autres, le contrôle des prédateurs, le loup et l'ours. Vous savez, quand on disait de manière imagée, là, ben, si le loup est en bergerie, on peut mettre une cloche de verre au-dessus de la bergerie, mais le loup, il va continuer à manger, il est dedans. T'sais? Fait que de manière imagée, ce que ça veut dire, c'est que les prédateurs sont déjà présents, puis sont présents déjà en quantité suffisante pour faire des dommages dans les populations de caribou. Fait que demain matin, même si on arrête la récolte, les prédateurs, ils sont là, puis ils vont continuer à faire des dommages, vous comprenez? Donc, c'est quand même un élément important. Autre élément, la chasse de subsistance. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu du tout de ce côté-là. La montée des espèces vers le nord n'est aucunement prise en compte. En passant, il y a des études. Quand on dit que la montée des espèces vers le nord, c'est à un rythme de 45 km, on dit 45, là, mais c'est, l'étude parlait plus de entre 50 et 70 km par 10 ans. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que, justement, les espèces, l'ensemble des espèces montent vers le nord. Puis ça inclut l'orignal, le chevreuil, qui entraîne avec lui le loup et l'ours. Fait que vous comprenez que ça, c'est un phénomène qui touche toutes les espèces. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne touche pas le caribou. C'est juste un élément très logique. Autre élément, c'est qu'il y a une étude qui a été publiée en avril 2024, récemment, qui a mis en perspective, c'est une étude qui a été réalisée en Alberta, puis qui a mis en perspective que pour des secteurs à des mêmes latitudes, avec des profils climatiques semblables, ils ont observé, puis ça, c'est des études qui ont les deux territoires, il y en avait un aménagé, puis il y en a un où il n'y avait aucun aménagement, aucune récolte, il n'y avait rien du tout. Ils ont observé qu'ils voyaient la même montée des espèces vers le nord, c'est-à-dire l'orignal, le chevreuil, le loup et l'ours. Ça, ben, malheureusement, c'est tous des éléments qui sont défavorables au caribou. Fait que vous comprenez, là, il y a un paquet d'autres données. Quand je disais tantôt qu'il faut avoir de l'objectivité puis d'être capable de prendre en compte tous les faits, ben, c'est ça. Il y a plein d'autres faits qui existent, mais malheureusement, ce qu'on voit dans les médias, souvent, quand je parle des médias, là, c'est souvent les médias des grands centres, là, ben, il y a une volonté de mettre surtout de l'avant les éléments les plus névralgiques pour le caribou seulement, finalement, vous comprenez. Donc, ça fait le tour. Donc, je vais passer la parole pour André, donc, il y a des impacts, puis quelques autres slides, puis je vous reviens après. Fait que, c'est ça. Fait qu'on on vous met beaucoup de détails, mais je veux juste vous dire, avant de continuer, que, dans le fond, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis proche de la situation du caribou. Ça fait 7-8 ans au moins que je suis à l'équipe de rétablissement du caribou comme participant, là, puis que je siège là-dessus, puis que les chercheurs nous amènent, dans le fond, les dernières recherches autour du caribou, etc.
Puis, parce qu'il y a une équipe de rétablissement pour la situation du caribou qui existe depuis une bonne quinzaine d'années. Fait que ce qu'on essaie de vous amener, dans le fond, c'est un portrait. Hein? Puis on essaie de vous amener des arguments qui vont vous permettre de discuter puis de réfléchir puis de voir que la position simpliste que les fonctionnaires du gouvernement fédéral ou les groupes de pression nous amènent à l'effet que la coupe est responsable du déclin du caribou seulement, il y a juste ça qui est responsable, bien, c'est pas tout à fait ça. Mais je vous dirais que c'est pas ça pantoute. Parce que quand tu regardes l'ensemble des facteurs, il y a beaucoup d'éléments qui contribuent au déclin du caribou. Quand il y a déclin, il faut aussi être sûr qu'il y a déclin. Parce que dans le cas de la... Ça, j'ai pas mis les statistiques, mais dans le cas de la harde du Pipmoacan, il n'y a pas de déclin clair. OK, je vous explique rapidement. Il y a eu 3 inventaires au niveau de la harde du Pipmoacan. Ces chiffres-là, vous ne les verrez pas là-dessus. Il y a eu un inventaire en 1999. On a déterminé qu'il y avait 135 têtes. En 1999. Après ça, on a fait un inventaire en 2012. On a trouvé qu'il y avait 298 têtes. Okay? Après ça, on a fait un en 2020. Puis là, il y en avait 225. Fait qu'il y en avait très peu. À un moment donné, il y en a eu plus. Puis là, ça a diminué un peu. Mais les inventaires n'ont pas été faits sur la même surface. Fait qu'ils se sont dit en 2020, ben, on va faire un inventaire sur une surface plus grande. Puis ça va être notre référence. Fait que ce qu'on a, on a un inventaire de 2020 qui est une référence. Mais on n'a pas d'autres inventaires pour dire ça a diminué ou ça a augmenté. Puis dans le caribou, ça c'est les chercheurs qui le disent, tu ne peux pas te servir d'un inventaire qui est plus vieux que 3 à 5 ans. Puis, vous comprenez, 1999, 2012, 2020, il y a une dizaine d'années en chaque, 8 à 10 ans en chaque. Donc les inventaires ne sont pas valables pour déterminer si la population augmente ou diminue, parce qu'un caribou, ça vit entre 3 et 7 ans. Fait que ce qu'on sent comme élément pour dire qu'il y a urgence d'intervenir au Pipmoacan, c'est le nombre de fans par 100 femelles. Donc, ce qu'ils appellent, eux autres, le taux de recrutement. Le taux de recrutement, c'est comment est-ce qu'il y a de bébés là, par 100 femelles. Puis actuellement, il est relativement bas, là, un peu en bas de 10 %. Puis il faut qu'il soit minimum à 15, théoriquement. Mais les chercheurs eux-mêmes disent, quand ils font ces inventaires-là, que c'est faut faire attention, c'est pas trop précis, parce que là, les caribous sont habitués à se faire poursuivre par les hélicoptères, hein, parce que ça fait des années qu'ils se font mettre des colliers. Puis les femelles, puis c'est un réflexe de femelle, hein, souvent les mamans protègent leurs petits, bien, ils se cachent plus que les mâles dans le bois. Fait que ils font une estimation du nombre de femelles qui ne voient pas, parce que les fans sont avec les femelles, sur la base des colliers émetteurs qui mettent sur... Fait que c'est un paquet d'estimations, ce qui fait que les chiffres qui sortent, ils pensent qu'ils sont bons, mais ils disent « attention, il faut faire attention ». Mais quand c'est le temps de faire un décret, ils disent « ah, ben là, c'est grave, là ». Là, c'est grave, c'est sûr que la population est en déclin. Fait que vous comprenez, il n'y a pas de certitude que la population du Pipmoacan est en déclin actuellement. Peut-être qu'on ne peut pas dire que c'est en forte augmentation, peut-être, mais on ne peut pas dire que c'est en forte diminution non plus. Fait que ça, c'est les inventaires futurs qui vont nous le dire. Juste un petit commentaire là-dessus. Fait que si on passe aux impacts, vous les avez, les principaux impacts, on les a mis. OK, on a calculé comment est-ce qu'il y avait de mètres cubes dans ce que vous voyez en vert dans la carte de tantôt. Il y a 30 millions de mètres cubes commerciales. C'est quand même important, là, 30 millions de mètres cubes. Là, il y en a ici qui en ont récolté des mètres cubes. Il y en a qui en ont transporté. Fait que ça fait pas mal de bois. On consomme à Bois-Saco annuellement 550, 560 000 mètres cubes par année. Fait que 30 millions de mètres cubes, là, c'est du bois. C'est 60 ans. Ouais, c'est 60 ans de bois. Fait que ça va être gelé. Cloche de verre par la suite, puis interdiction de récolte à tout jamais. C'est du bois qui va se perdre, on comprend que ça se gaspille aussi. On a calculé aussi la perte de valeur pour le développement du territoire. Hein. Ça fait qu'une entreprise forestière comme la nôtre, bien, ça construit des chemins, puis les chemins, bien, ça coûte très, très cher. C'est ça qui permet de sortir le bois. Puis il y a des chemins de classe 2, 3, 4, 5, là, dépendamment de la qualité des chemins qu'on a besoin. Puis ça coûte des sous. Fait que dans le territoire en vert, là, qu'on voyait tantôt, dans le 1 million d'hectares, il y a 1870 km de chemin forestier. Puis ça vaut 90 millions. Fait que ça a coûté 90 millions à construire. Ça veut dire que quand on va... Mettons, si le gouvernement pourrait nous envoyer ailleurs, ben il faudrait construire l'équivalent pour remplacer ces volumes-là si on veut continuer d'opérer. Fait que c'est aussi une perte de valeur pour le territoire, dans le sens que les chemins, c'est le squelette de l'opération. C'est ça qui permet aux chasseurs, aux pêcheurs, aux pourvoiries, aux ZEC. Ça permet le combat des feux aussi. Ça permet la récupération quand il y a un feu, récupération quand il y a des épidémies. Fait que c'est une valeur importante pour la région et pour le territoire.
Fait que c'est 90 millions qui s'envolent. Fermeture de 3 camps forestiers pour notre part. Camp Berzimis, Camp Fleury, Camp Rivière-au-Sort, qui fermerait. On parle d'à peu près 4,5 millions de dollars. Les travaux sylvicoles. Il y a M. Ouellet qui est ici ce soir, qui pourrait nous en parler, des travaux sylvicoles du ministère. C'est 30 000 hectares de travaux sylvicoles. Donc, plantation, regarni, éclaircie pré-commerciale, ceux qui connaissent ça. Donc ça, c'est 53 millions de dollars d'argent gouvernemental, d'argent public, qui est investi pour permettre aux forêts de croître puis de redevenir des forêts intéressantes. Fait que ça, ça veut dire que c'est complètement perdu parce qu'il n'y aura plus jamais d'aménagement. Fait que c'est à peu près 150 millions de valeur pour la région qui va être complètement perdue. Aussi, ben, on parle de la fermeture, bien sûr, de Bois-Saco, hein, parce que, dans le fond, on ne peut pas survivre à 50-60% de perte d'approvisionnement. On a fait des calculs, nous autres, puis en 2020 et 2013, la perte de... Quel pourcentage déjà, Steve? 20%. De 20%, c'est ça. La perte de juste de 20% de nos approvisionnements nous amenait à une situation de non-rentabilité. Enlevant 80 % de la rentabilité de l'entreprise. Bien, vous comprenez que c'est toujours les derniers mètres cubes qui nous permettent de faire des bénéfices. Les premiers mètres cubes, bien, c'est comme n'importe quoi, là. On paye les coûts fixes avec les premiers revenus qui rentrent. Puis c'est à la fin de l'année qu'on peut penser faire des bénéfices avec les derniers mètres cubes qui sont transformés. Fait que ça, c'est quand même majeur. Ça fait qu'on ne peut pas survivre à une pareille situation. Puis même si on nous envoyait ailleurs pour aller chercher du volume, bien, on parle de volume très, très loin qui coûterait très, très cher. Ça fait qu'à la première crise économique ou à la première situation difficile, bien, probablement qu'on serait fermé à ce moment-là, avec tous les impacts que ça aurait auprès de la population, des entrepreneurs, des services, etc. Donc, chez nous, c'est 600 emplois directs. Hein. Il y en a beaucoup ici à Forestville. Beaucoup de gens de Forestville travaillent pour nous, des entrepreneurs, des travailleurs, beaucoup de gens qui sont aussi membres de notre coopérative. C'est 200 millions de dollars annuellement en retombée. Puis c'est beaucoup d'emplois indirects. Hein? Donc, des fournisseurs, des commerces, vous le savez, des motels qui vivent en partie avec les services qu'on a besoin, des épiceries, des garages, etc. Ça fait que ça ferait énormément mal à toutes ces activités-là. Puis probablement qu'on verrait aussi des fermetures à ce moment-là. Il faut penser à des pertes d'emplois, il faut penser à des relocalisations de famille, à du chômage, la perte de valeur des maisons. Hein. Personnellement, j'ai vécu ça, moi. J'ai travaillé un certain nombre d'années dans le Nord, à la Belle-sur-Quévillon, puis les usines ont fermé, puis ma maison a perdu 60% de sa valeur à l'intérieur de quelques mois. Fait que, il en reste que pour une famille, c'est vraiment une catastrophe. Fait qu'il y a des drames humains en arrière de ça. Qui vont être vécus par des gens ici de la région. Fait que c'est tout ça qui nous attend si le décret continue comme il est censé continuer, parce que je peux vous dire que la détermination des fonctionnaires fédéraux, moi j'ai eu 2 rencontres de présentation avec eux, là, c'est incroyable comment est-ce qu'ils sont déterminés, puis ils n'ont aucune intention de modifier les surfaces qu'ils nous présentent là en termes de protection. Ils ont dit qu'ils pourraient peut-être faire certaines modifications, mais sans enlever de la superficie au total. Fait qu'ils sont vraiment déterminés à aller de l'avant. Donc, de ce point de vue-là, on considère pour nous que c'est complètement déraisonnable et irresponsable de la part d'un gouvernement de faire une pareille chose sans aucun respect des populations et des impacts économiques qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ont eu, je vous dirais, le front de nous dire qu'ils avaient fait un plan qui tenait compte des impacts économiques, mais quand on les questionne sur les impacts économiques, ils ne sont pas capables de nous dire c'est quoi les impacts économiques, ils nous disent, ben dites-nous-la. Fait que là, on est censé leur dire c'est quoi les impacts économiques qu'on a, mais eux autres, ils disent que quand ils ont fait le décret, ils ont considéré l'impact. Fait que c'est un peu incohérent, là, de la part d'un gouvernement de procéder comme ça. Fait qu'on pense que ça ressemble beaucoup à un militantisme aveugle, hein? Puis quelque chose qui est vraiment déconnecté de la réalité. Personnellement, dans ma carrière, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi aussi fou. Donc, c'est un plan qui n'en est pas un. C'est une cloche de verre sur un territoire qui interdit complètement l'aménagement forestier, alors que c'est un outil hein, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Vous connaissez probablement le GIEC, parce qu'en 2022, je crois, le GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, ont déterminé que l'aménagement forestier
était un outil privilégié pour diminuer les gaz à effet de serre dans le contexte actuel de changement climatique, puis qu'il fallait absolument se servir de l'aménagement des forêts pour y arriver. Mais là, on travaille carrément à l'inverse de ça. On ne s'attaque pas au cœur du problème. Steve en a parlé tantôt. Je n'ai pas vu d'abatteuse encore dans ma carrière qui ramassait des caribous puis qui les tuait. Je n'ai pas vu de pelle mécanique qui en écrasait non plus. Puis d'après moi, vous n'en trouverez pas. Je fais des farces un peu. Vous comprenez que les recherches disent que ça a un effet indirect parce que par nos interventions, on amène l'orignal, puis avec l'orignal, on amène le loup. T'sais? Mais c'est quand même le loup qui va, puis l'ours un peu aussi au printemps, qui va exercer une prédation sur le caribou. Mais il n'y a rien dans le plan sur le loup et sur le caribou. Après ça, il y a un peu de braconnage, peut-être la chasse de subsistance. On entend parler un peu des journaux, mais il n'y a pas de statistiques là-dessus. On ne connaît rien, mais on pense qu'il devrait y avoir des mesures autour de ça importantes, sérieuses. On ne connaît même pas les populations de loups. Hein. Les populations de loups, ils ont explosé depuis 25-30 ans. C'est les trappeurs qui nous le disent. Mais il n'y a pas de statistiques précises, il n'y a pas d'inventaire. Bon, on sait que c'est en augmentation, mais le gouvernement ne les a pas calculés. Puis on n'a pas d'action là-dessus. Vous savez, dans l'Ouest, ils ont fait une recherche, pas une recherche, une expérimentation. Ils ont contrôlé le loup. En 2 ans, ils ont augmenté les populations de caribous de 52%. Juste là-dessus. Fait qu'ils ont réglé le problème. Ils n'ont pas eu besoin d'interdire l'aménagement forestier, là. Ils ont juste travaillé sur les populations de loups. Ils n'ont pas exterminé. Ils ont contrôlé. Fait qu'on se demande bien pourquoi ça ne fait pas partie du coffre d'outils qui a été présenté par le fédéral actuellement. C'est impensable. C'est un non-sens. En passant, il n'y a pas juste, la récolte forestière qui favorise l'orignal, hein. Il y a eu des recherches très sérieuses. Les résultats sont sortis il y a 2 ans. Ça a été fait à l'Université Laval. Ça a été fait ici dans la région. Puis ils ont fait la démonstration que la tordeuse des bourgeons d'épinette qui revient aux 25-30 ans amenait de l'enfeuillement puis favorisait l'orignal. Pareil comme la coupe. Puis la tordeuse, vous l'avez vu dans les 10-12 dernières années, là, ça a passé à la grandeur du territoire. Là. Ça ne fait, fait pas de dentelle, ça. Là. Ça passe partout. Fait que la tordeuse, elle n'arrêtera pas demain matin. Là. Elle va continuer. Fait que l'orignal va continuer à proliférer, puis le loup va continuer d'être un prédateur important, même si on arrête la coupe. Fait que c'est pas logique de dire on va interdire la coupe à l'âge, dans ce sens-là. Fait que ceux qui... je pense que ceux qui ont des notions d'aménagement forestier, c'est clair, mais je vous le dis, pour ceux qui ont moins de notions à ce niveau-là, l'enfeuillement, c'est pas juste le lot de la récolte forestière, c'est bien clair. L'autre chose importante qu'on dit, c'est que le décret, bien, il va à l'encontre de la gestion durable des forêts. Parce que, vous savez, vous avez vu les incendies forestiers de l'année dernière. Il y a eu des incendies forestiers majeurs partout dans la province. On en a eu des importantes ici aussi. Des importantes, c'est-à-dire des incendies dans le nord. Et puis, la récupération du bois pour pas qu'il se gaspille. Hein, on a 8 à 10 mois pour récupérer le bois issu des feux. Puis ça, c'est une valeur importante pour la société. Hein, le bois, on construit des maisons avec ça, etc. Puis si on ne récupère pas ce bois-là, ben, il est gaspillé parce qu'il est plus récupérable après, puis il ne servira pas à la société pour construire des maisons, faire des meubles, faire toutes sortes de constructions. Fait que c'est une perte de valeur pour l'ensemble de la société. Fait que, mais dans le décret, c'est interdit de faire toute récolte, que ce soit pour récupérer du feu ou que ce soit pour récupérer du bois tordeux, c'est totalement interdit. Pire que ça, ils veulent fermer les chemins, puis les feux sont... C'est prouvé que les feux sont de plus grande superficie s'il n'y a pas de chemin d'accès, parce que la lutte est plus difficile. Sur la Sophie, on fait des études là-dessus. La lutte contre les incendies forestiers est beaucoup moins efficace quand il n'y a pas de chemin. Les superficies brûlées sont plus grandes. Fait que c'est quoi qui nous attend? Avec 1 million d'hectares de décrets, une cloche de verre, puis un démantèlement des chemins qui sont là, c'est la catastrophe qui nous attend. Puis si ça brûle, c'est pas bon pour le caribou, c'est pas bon pour la société, puis c'est pas bon pour personne. Parce que le caribou n'utilisera pas ces territoires-là s'ils sont brûlés pendant plusieurs années, d'autant plus que le bois va renverser, puis il n'y a pas un animal de type caribou orignal qui va se promener dans le bois renversé. Il n'aime pas ça, puis il évite ce secteur-là. Fait que c'est tous des éléments qui sont complètement illogiques. Et puis, on va nécessairement détruire la filière bois. Si la filière bois sur la côte nord est détruite, c'est terminé.
Je ne sais pas qui va vouloir réinvestir dans la forêt dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais je pense que ça va être difficile de trouver des gens qui sont intéressés à investir dans la filière bois le jour où il n'y aura plus d'usine pour le transformer. Fait qu'il faut absolument qu'on préserve nos outils à ce niveau-là pour la transformation et pour les emplois. Donc, Steve en a parlé tantôt aussi. Est-ce que c'est possible de protéger le caribou en maintenant l'aménagement forestier? Je vous dis oui, haut et fort. Oui, c'est possible. Parce que le caribou, on essaie de faire croire que le caribou est impacté par les coupes et qu'il ne profite pas des coupes. C'est totalement faux. Le caribou profite des coupes forestières. Le caribou va manger dans les coupes forestières comme un orignal. Il va manger les jeunes pousses, puis il profite de ça. Le caribou profite des chemins aussi. Mais il faut le dire, dans l'équation entre prédateurs et caribou, ben c'est le loup qui gagne le plus souvent. C'est vrai. Mais c'est faux de dire que le caribou ne profite pas des coupes. Vous comprenez? C'est important de comprendre ça. Parce que ce qu'on entend dans les médias, c'est que la coupe, ça détruit l'habitat du caribou. C'est complètement faux. Ça ne détruit pas l'habitat du caribou. Ça détruit un certain équilibre entre prédateurs et proies, oui, effectivement. Mais ça favorise un animal plutôt qu'un autre. C'est compliqué tout ça, là. Est-ce que l'orignal a sa place aussi? Je pense que oui. Est-ce que le caribou a sa place? Ben oui, il a sa place. En plus, c'est un symbole aussi pour les communautés autochtones. Ça, on est capable de le comprendre. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut trouver une espèce d'équilibre aussi. Puis il y a peut-être d'autres moyens que d'arrêter toute activité forestière. Donc, mais comme j'ai dit, le problème, il vient de l'utilisation des chemins par les loups qui font la prédation sur le caribou, puis qui gagnent le plus souvent dans l'équation. C'est pourquoi il faut avoir des mesures de contrôle de la prédation. Puis ça ne coûte pas des millions, là. Ça ne coûte pas des centaines de millions faire des mesures de contrôle de la prédation. C'est faisable. L'autre chose que je veux vous dire qui sont importantes, un chercheur, Leblon, en 2015, lui a déterminé c'était quoi les territoires qui étaient utilisés par le caribou. Juste pour vous faire comprendre que c'est pas vrai que le caribou a absolument besoin de la forêt commerciale. C'est complètement faux. Parce qu'il y a juste 30 % de son utilisation qui est de la forêt commerciale. 70 % de ce qu'utilise le caribou, c'est des marécages, c'est des zones humides, c'est des dénudés secs, des sommets de montagne, des forêts ouvertes qui ne seront jamais récoltées parce qu'il n'y a pas assez de volume intéressant, des pentes, 70 %. Il y a juste 30 % qui est de la forêt commerciale. Est-ce qu'elle est importante? Certainement qu'elle est importante. C'est sûr qu'elle a son importance, mais à 30 %. Comprenez-vous? Pas à 70 %. 70 %, c'est autre chose que de la forêt commerciale. Puis ça, malheureusement, on le dit très peu. Il faut considérer aussi que 80 % des caribous forestiers, ce qu'on veut protéger, c'est des caribous forestiers qui est un écotype. C'est pas une espèce en passant, puis c'est même pas une sous-espèce. C'est comme, je vous dirais, l'écureuil roux de Forestville. OK, l'écureuil roux, c'est l'espèce. Puis l'écotype, ce serait l'écureuil roux de Forestville, parce que lui, il s'est adapté à Forestville, trouve le monde le fun, trouve le climat intéressant à Forestville, l'air de la mer. Puis ça, c'est un écotype. Ce serait un écotype. Fait, ce qu'on veut protéger, c'est l'écotype écureuil roux de Forestville. OK, je fais des faces un peu, mais c'est le caribou forestier du Pipmoacan. C'est l'équivalent. Mais l'espèce caribou, là, au Québec, c'est toute la même espèce. Au Québec, puis en fait, au Canada, il y a 4 sous-espèces de caribou, mais ça fait toute partie de la grande espèce du caribou là, qu'il y a un peu partout dans le monde. Fait que, puis il y a 3 sous-espèces, pas sous-espèces, c'est 3 écotypes de caribou au Québec qui font partie du caribou des bois. Il y a le caribou forestier, le montagnard, puis le toundrique qui est dans le toundra dans le nord. Mais c'est juste des animaux qui se sont adaptés à leur milieu. C'est ça un écotype. Fait que ça, il faut quand même le dire. Puis dans les caribous forestiers, je le répète, qui sont un écotype, il y en a 80 % qui sont au-delà de la limite des forêts commerciales ou dans des aires protégées déjà considérées comme étant protégées où la récolte est interdite. 80 % au Québec. Il y a juste 20 % qui sont en dehors de ça. Fait que 80 % sont dans des secteurs où il n'y aura jamais de récolte puis ils sont déjà protégés puis par le fait même. Donc, ça met des nuances importantes dans toute l'affaire. Fait que ce qu'on pense du décret, c'est qu'il est non fondé et illégitime. Pourquoi?
parce que c'est un décret qui est juste sur l'habitat. Puis c'est un décret qui vise un taux de perturbation de 35 %. Okay? Parce que les chercheurs ont déterminé que... Ils ont calculé un taux de perturbation, je vous explique rapidement. Un taux de perturbation, c'est quand il y a une activité humaine, soit un chemin, une ligne hydroélectrique, ou une récolte, une coupe. Bien, ils mettent une zone tampon autour, mettons, de plusieurs centaines de mètres, ça peut aller jusqu'à 500 mètres. Puis là, ils vont calculer en pourcentage sur le territoire ce que ça représente avec cette zone tampon-là. Fait qu'ils vont dire, à ce moment-là, les perturbations représentent 50, 60, 70 % ou 80 % de ce territoire-là. Donc, le territoire est perturbé à 80 %. Fait que ce que les chercheurs ont déterminé, c'est qu'à 35 % une population de perturbation, une population avait 60 % des chances de se maintenir en nombre. OK? Au Pitmoïcan, on est à 80 % de perturbation. On s'est amusé à faire un exercice. Bon, on s'est amusé. On s'amuse pas trop de ce temps-ci, mais on a pris le temps, je vais dire comme ça, on a pris le temps de faire le calcul dans le secteur du Pitmoïcan. On connaît bien le territoire, hein? Parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on parcourt le secteur. On a identifié partout où il y avait les chalets, on a identifié tous les chemins qui étaient nécessaires, absolument nécessaires de conserver en fonction de l'objectif du décret. Hein? Parce que le décret permet la villégiature, le décret permet le récréotouristique, touristique, il permet donc les ZEC, les pourvoiries d'exister, les camps autochtones, bien sûr, et puis il permet les minières aussi. Mais il n'y a pas de mine dans le secteur, là, à ma connaissance, mais il, à ce moment-là, il peut permettre l'exploration minière pour les minéraux critiques, les minéraux qui servent à faire des batteries et ces affaires-là. Ça fait que nous autres, on a regardé à ce moment-là quels seraient les chemins qu'on devrait conserver après le décret, si le décret passe. Qu'on n'aurait pas le choix de conserver en fonction des objectifs du décret. Savez-vous à quel chiffre qu'on est arrivé? On est arrivé à 49 % dans la zone en vert, là. 49 % de taux de perturbation. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un taux permanent minimum de perturbation. Donc, l'objectif du fédéral est d'arriver à 35 %. Donc, une fois que cet exercice-là fait, on dit, bien, c'est impossible d'arriver à 35 %. Le taux permanent il est à 49. Là, on est à 80. On pourrait démanteler des chemins, puis on pourrait descendre à 49, mais jamais on arrivera à 35. Donc, l'objectif du décret est nul et non fondé. Fait que le décret, il est complètement illégitime. Parce que c'est là-dessus qu'il est fondé. Il est fondé sur l'habitat, puis sur l'hypothèse que rendu à 35 % mais la population pourrait se maintenir. Ça fait que je passe la parole à Steve pour la conclusion. Merci, André. Regardez, c'est quand même un élément important. Vous l'avez vu, là, on parle d'un décret d'urgence. Mais André le mentionnait, là, il y a quatre sous-espèces présentes au Canada. Au Québec, il y en a juste une. Il y a juste une espèce. Il y a juste une sous-espèce. Au Québec, c'est le caribou des bois, son nom familier, le caribou des bois, le nom scientifique, Rangifer tarandus. Caribou. Oh. Caribou, OK. Fait que, tout ça pour dire, là, c'est que on est en train de vouloir passer un décret d'urgence là, à la hâte, là, puis en disant il y a une panique, là, il y a une menace imminente. En passant, on parle d'une menace imminente dans 10 ans. Nous autres, la menace imminente, elle va arriver dans quelques mois. Là. Que, juste pour mettre ça en perspective. Là. Mais on parle d'une urgence, alors qu'au Québec, il y a juste une sous-espèce. De cette sous-espèce-là, il y a trois écotypes, comme André vous l'a dit, parce qu'il vit dans trois environnements différents. Il y a le toundrique, il y a le forestier, puis le montagnard. Mais si on regarde ça sur cette base-là, là, c'est pas vrai de dire qu'au Québec, cette espèce-là est menacée. Il y a plus de 180 individus encore de caribou au Québec. Là. Si on inclut le toundrique, le forestier et le montagnard. Fait que vous comprenez que l'urgence, là, la supposée urgence de M. Guilbeault, là, on a bien de la misère à l'accepter. Là, surtout quand on voit les conséquences catastrophiques qu'il pourrait avoir dans notre milieu. Là. Puis André le mentionnait tantôt, là, on peut vouloir protéger le forestier, l'écotype forestier. On a réussi à comme faire reconnaître un statut d'espèce, alors que c'est même pas une sous-espèce, c'est le même. Il n'y a rien qu'un caribou, puis il est pareil partout, peu importe où il est au Québec. Mais on peut vouloir protéger l'écotype forestier, c'est correct, c'est légitime qu'on veuille faire ça en tant que société. Mais on va-tu faire ça au détriment de fermer des communautés entières? C'est grave, là, on joue avec la vie des gens. Là. Fait que vous comprenez que ça, là-dessus, là,
On va avoir bien de misère à trouver des arguments qui vont nous convaincre que ça fait du sens d'aller en avant avec, de l'avant avec ce décret-là. Ce que, pour terminer notre dernière slide, donc ce que nous on propose de faire puis qu'on essaye de faire depuis déjà un bon bout de temps, donc premièrement sensibiliser l'appareil politique, donc fédéral, provincial. Vous comprenez que le provincial, là, ça fait déjà plusieurs années qu'on a eu l'occasion d'avoir des interactions avec le provincial. Le provincial, il a compris. Le provincial, il a posé des gestes pour aller dans la protection du caribou, mais des gestes bien mesurés, ciblés pour être sûr de ne pas créer d'impact. Puis ça, regardez, ben, avec la position qui a été confirmée récemment, ben, au moins, vous comprenez, au moins, on a notre gouvernement provincial qui est bien conscient de la situation puis de nos enjeux. Fait que ça, au moins, ça, c'est important. Au niveau fédéral, ben, vous l'avez vu, on travaille de toutes les manières possibles pour sensibiliser l'appareil. On a 6 lettres ouvertes qui ont été envoyées jusqu'à présent. Ils ont été envoyées au premier ministre Trudeau avec copie conforme à une douzaine de ministres. Je vous dirais que nos lettres circulent en passant. On les fait circuler partout ce qu'on peut les faire circuler. À part ça, c'est des lettres ouvertes, puis ils peuvent circuler. Puis si vous voulez les faire circuler, gênez-vous surtout pas. Fait que tout ça pour dire, c'est qu'il faut faire réaliser à ce gouvernement-là que ça n'a pas de bon sens, là, vers où il veut s'en aller. Ou en tout cas, vers où le ministre Guilbeault veut les amener. Vous comprenez? Parce que le ministre Guilbeault, là, on se l'est dit, puis on se le répète, là. Avec son passé, là, on s'entend que c'est pas quelqu'un qu'on pense qui va comprendre le bon sens. Là. Mais c'est le gouvernement, là. Le gouvernement derrière lui qu'il va falloir que lui comprenne. Le gouvernement, là, il a le devoir d'agir de manière équilibrée et raisonnable. Ça veut dire en prendre en compte tous les enjeux, toutes les préoccupations et les conséquences qu'il peut avoir. Fait que c'est, en tout cas, on va continuer dans cet esprit-là. Je vous dirais que la 7e est déjà pas mal prête, puis la 8e est en écriture encore déjà. Je vous dirais qu'on ne lâchera pas, sincèrement. C'est trop important. C'est notre avenir collectif qui est question, là. Puis c'est nos enfants, c'est nos familles. Fait que garder. C'est notre milieu. La Haute-Côte-Nord, là, on est 10 500 personnes à peu près, le dernier décompte. On fait partie des MRC les plus dévitalisés au Québec, là. Fait que, c'est-tu vrai qu'on va se faire fermer pour des prétextes comme ça, là? C'est pas vrai. En tout cas, nous autres, je peux vous dire qu'on va continuer, puis on va brasser de toutes les manières possibles, ça, c'est sûr. Donc, informer régulièrement et mobiliser donc nos travailleurs, bien évidemment, nos travailleurs, nos partenaires, nos entrepreneurs en forêt, toutes les personnes qui sont parties prenantes, on a essayé de faire le tour pour s'assurer qu'ils soient bien mobilisés. Donc, les acteurs régionaux, donc bien évidemment, notre MRC, Mme Anctil, est d'un grand secours dans tout ce dossier-là. On a d'autres intervenants, on essaye de sensibiliser toutes les personnes possibles. C'est sûr que, regardez, on est ici ce soir pour ça. On a fait une semblable jeudi passé à Sacré-Cœur. Donc, c'est important qu'on s'assure que nos collectivités soient conscientes puis soient prennent acte des impacts qu'il peut avoir. Quand on dit c'est notre avenir collectif, bien, c'est ça, c'est notre avenir collectif à nous tous, là. Donc, c'est important. On ne peut pas avoir un impact de perdre 600 emplois dans notre milieu puis faire comme si rien n'était, là. Je comprends que peut-être qu'à Ottawa, ils sont loin de ça, puis pour eux autres, on est une goutte d'eau dans l'océan, mais nous autres on est notre océan, là, vous comprenez? Fait que c'est important qu'on se démène de toutes les manières possibles. Donc, intervention médiatique, vous avez eu l'occasion de le voir, donc c'est sûr que nos lettres ouvertes, ils circulent de manière ouverte, bien évidemment, mais on profite de toutes les occasions qu'on a. On essaye de ne pas manquer aucune possibilité. Puis en passant, je vous dirais que c'est exigeant, puis c'est pas ce qu'on devrait perdre notre temps à faire, hein, sincèrement. Je dirais pas perdre notre temps, parce que là, c'est un enjeu crucial. Mais en même temps, c'est pas ce qu'on aime le plus faire, puis qu'on aurait le temps de faire. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. C'est notre survie qui est menacée, vous comprenez. Donc, c'est vraiment juste pour ça. Mais c'est clair qu'on va continuer à le faire. Puis on va le faire tant qu'on n'aura pas réussi à avoir une réponse raisonnable de la part de ce gouvernement-là, qui, en passant, après 6 lettres ouvertes, on n'a pas eu aucun retour officiel. Je vous dirais que c'est préoccupant. C'est préoccupant, puis on espère que le gros bon sens va faire sa place à un moment donné. Donc, on parle également de moyens de pression. Donc, c'est sûr qu'on va essayer d'enclencher toutes sortes de moyens. Il y a peut-être un moyen qui s'en vient bientôt, là, qu'on va essayer de faire. On va voir comment on peut essayer de l'élargir d'une manière ou d'une autre. Alliance Forêt Boréale, des choses de prévues aussi. Mme Anctil est vice-présidente de l'Alliance Forêt Boréale, donc on est bien présent de par Mme Anctil sur ce comité-là, cette association-là. Donc on va essayer de travailler à coordonner différentes mesures, différentes actions pour encore là réussir à faire prendre conscience des enjeux. Il faut qu'on réussisse de toutes les manières possibles
à faire prendre conscience des enjeux. Je vous dirais, vous l'avez vu, là, on voit que, tranquillement, pas vite, là, on a certaines un peu plus de couverture, on va le dire, à l'échelle provinciale. En passant, là, il y a quelques années, on n'avait aucune. Là, on dirait que tranquillement, pas vite, les œillères ouvrent tranquillement, on veut nous donner la parole, on veut nous prendre un peu plus en considération. Bien, c'est ça. Regardez, il faut profiter de toutes ces occasions-là. Puis, c'est des occasions qu'on a de s'exprimer puis de faire peut-être évoluer certaines perceptions aussi à l'échelle de la province, finalement. Donc, tous les appuis possibles, donc bien sûr, donc je le mentionnais, la MRC, les municipalités, les différents partis politiques, je vous dirais que les partis politiques qui s'intéressent à nos enjeux, bien, c'est clair qu'on on contribue à essayer de les informer le mieux possible. Donc, tous les autres intervenants là, qui sont concernés de près ou de loin par des enjeux qui guettent notre milieu, finalement, bien, c'est ça, regardez, on essaye de tout faire pour les sensibiliser le mieux possible. Puis, bien, dans notre milieu, bien, regardez, on peut tous être des courroies de transmission de l'importance de prendre acte de cette situation-là puis de réagir. Donc, bien, regardez, je vous lance l'invitation, comme on l'a fait jeudi passé. Toutes les personnes sensibilisent 2-3 personnes, bien, on va avoir un impact encore plus grand, finalement. Donc, regardez, ça fait le tour de la présentation qu'on avait. Mais là, regardez, j'aimerais ça qu'on puisse vous laisser la parole puis qu'on puisse avoir des questions, des commentaires. Allez-y, gênez-vous pas, parce qu'on est là pour ça. On est vraiment là pour ça. Puis n'hésitez pas, s'il y a moindrement un élément que vous voudriez éclaircir, que vous comprenez plus ou moins bien, on est là pour ça, puis on va essayer de répondre le mieux possible. Donc, questions? C'est ce que c'est qui se dit? Bien, effectivement, c'est que dans le fond, là, c'est une très bonne question. Et vous voyez, ça va m'amener peut-être à un autre élément qu'on va pouvoir préciser. C'est que oui, effectivement, c'est qu'il y a un enjeu comme si, dans le fond, le fait qu'avec la montée des espèces vers le nord, bien, dans le fond, l'orignal fait partie de ceux-là avec le chevreuil. Et puis quand il monte, bien, il amène avec lui ses prédateurs, qui sont le loup et l'ours. Donc, l'enjeu qui découle de tout ça, c'est que c'est comme si c'était le caribou qui était perdant de cette situation-là. C'est-à-dire qu'avec la montée de l'orignal, ben, ses prédateurs montent avec lui, puis donc le loup va monter en même temps que l'orignal, puis c'est le caribou qui serait perdant dans toute cette équation-là. C'est un peu bizarre, hein? Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au Québec, là, ça c'est un autre élément, puis quand on vous dit, là, c'est complexe, puis il y a un paquet d'éléments à considérer, là, c'est qu'il y a un plan de gestion de l'orignal au Québec. Il y a un plan de gestion de l'orignal pour essayer de s'assurer qu'il va avoir un niveau de population suffisant pour faire en sorte que la chasse sportive puisse bien fonctionner. Puis on donnait l'exemple de la zone 28, que l'orignal a passé de 5 000 à 22 500. Donc 5 000 à 22 500 en l'espace de 20 ans. Donc vous comprenez, puis ça, ben, c'est pas étranger un peu au plan de gestion de l'orignal. Le plan de gestion, ben, le plan est fait justement pour favoriser l'orignal puis s'assurer qu'il y a une densité le plus correct possible, le plus optimal possible pour, entre autres, faire en sorte que la chasse sportive puisse avoir un bon contexte. Fait que vous comprenez que là, avec ça, là, c'est comme si on entrait en conflit encore là avec le caribou. Vous comprenez, il y a beaucoup d'éléments qui interfèrent, mais en même temps, c'est que faut quand même aussi réaliser que le caribou, c'est un animal qui serait comme fragile par rapport à toutes les autres espèces. C'est ce qu'il faut comprendre. Deuxième question, puis après ça, on va aller... Elle est plus délicate. Oui. On sait que Wasako a toujours... Oui? Un, deux, trois? OK. Il était passé là. On sait que Wasako a toujours travaillé de concert avec les Inuits pour tout ça. Là, avec ce décret-là, est-ce que c'est plus délicat de travailler ou eux autres, ils sont avec vous autres? Comment c'est, là? Ouais, je vous dirais que c'est une très bonne question. On a eu, dans le passé, on a toujours eu des liens assez étroits avec les communautés présentes du territoire, particulièrement avec SIPIP. On est partenaires, Granulco, ils sont partenaires, on est partenaires ensemble dans Granulco. Donc, on a toujours eu des liens assez étroits. Je vous dirais que depuis quelques années, l'ensemble des communautés autochtones ont comme un peu rigidifié leur position. Hein. Donc, puis je vous dirais qu'on sent un peu la même chose du côté de Sipit et Pessamit. Je pense qu'on l'a vu un peu aussi publiquement. Je pense que ça a pu être constaté. Puis c'est sûr que
la notion de décret, en tout cas, ce qu'on a eu l'occasion de voir, les communautés qui ont réagi, donc Spit et Mastoyache, on les a quand même vus. Ils se sont déclarés en faveur du décret. Regardez, bon, ben, c'est ce qu'on en prend, là, on peut pas... mais c'est sûr que la proximité qu'on avait allée jusqu'à il y a peut-être... Parce qu'il y a comme eu un projet d'air protégé qui a été présenté aussi il y a pas si longtemps, là, peut-être en novembre ou en décembre. Donc, c'est sûr qu'on s'est éloigné un petit peu. Mais regardez, il faut espérer qu'un jour, on va pouvoir réussir à se ramener dans un contexte plus optimal. Là. Donc, c'est ce qu'on espère, mais pour l'instant, c'est les faits qu'on a actuellement. Donc, oui. Moi, je voulais savoir, vous nous avez montré un plan là, qui veulent venir chercher, mais ce territoire-là, y a-t-il déjà été occupé par les caribous? Parce que moi, je vais assez souvent en forêt, puis je n'ai pas vu beaucoup des caribous, là, quand j'ai 50 ans, par exemple. Là. Mais je veux dire... ils en prennent-tu plus large aussi pour le protéger? C'est-tu qu'ils veulent le développer, ils veulent l'emmener plus dans nos régions? Parce que je pense pas que... c'est dur à dire pour moi, là, parce que je connais pas exactement toute la zone, mais je pense que dans la zone qu'ils ont mis, il doit y avoir un pourcentage que je pense qu'il n'y a jamais eu de caribou. Ouais, je vous dirais que ce qui a été fait, là, c'est une très bonne question aussi, c'est que ce qui a été fait, là, c'est quand même questionnable aussi un peu. Là, c'est que, dans le fond, là, premièrement, le caribou, c'est un animal qui est très, très rare par nature. On parle d'une densité normale. Ce qui était souhaité là, dans le plan de rétablissement 2013-2023, là, c'était 1,5. C'était 1,5 par 100 km². Comprenez? Ça fait que 1,5 par 100 km², on dit souvent à la blague, là, t'en vois un, puis tu devrais te prendre un billet de 6,49. T'sais? Parce que c'est très rare. C'est un animal que, par nature, il est très rare. Donc dans la forêt. Oui, c'est ça. Dans la forêt, c'est une autre affaire, mais dans la forêt. Oui, c'est ça. Dans l'écotype forestier, là, il est très rare, effectivement. L'autre élément que je voulais, où est-ce que je m'en allais avec ça, parce que là, c'est ta question, juste pour me rappeler, parce que j'avais un autre élément que je voulais. C'est ça. C'est que ce qu'ils ont déterminé, là, comme superficie, là, en gros, là, c'est que ça ressemble presque à ce qu'ils ont observé comme relevé des colliers télémétriques là, depuis le temps qu'ils ont été installés, les colliers, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Bon. Fait que, dans le fond, là, c'est comme si s'il y a un caribou qui a passé une fois quelque part, c'est comme s'il l'inclut dans le territoire. Fait que vous comprenez qu'encore là, ça, c'est très questionnable, parce que c'est comme si on disait, là, il a passé un caribou une fois là, il faut dire que c'est un habitat pour le caribou, vous comprenez? Encore là, il y a bien des nuances à faire de ce côté-là, puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un caribou, là, ça se déplace aussi quand même, là. Oui, il reste dans la forêt, il n'est pas migrateur comme celui qui est dans la toundra, mais il reste que ça se déplace quand même. Puis il y a des études où il y a des cas qui ont démontré que des caribous ont fait des quantités quand même importantes de kilomètres. Là. Fait que c'est quand même un facteur important à considérer. Oui, on parle des prédateurs. Il y en a un à deux pattes qu'on oublie de mentionner. C'est ceux qui chassent le caribou. Je pense pas qu'il y en a beaucoup ici ce soir qui chassent le caribou. Il y en a qui en chassent. Mais est-ce qu'ils ont le droit de subsistance des tués, là? Ils vont pouvoir en tuer pareil, les autres. Oui, bien, je vous dirais que le décret ne vise aucunement la chasse de subsistance, le braconnage ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune mesure qui est destinée à mais je permets, Steve, aussi, ce qu'il faut quand même aussi savoir, puis moi, je l'ai appris, ça ne fait pas si longtemps, c'est que, oui, les conseils de bande interdisent autant qu'ils peuvent l'interdire, la chasse au caribou, que ce soit Essipit ou Pessamit. Mais quand on dit interdire, ils n'ont pas le moyen d'interdire légalement, on se comprend. Puis dans la culture autochtone, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que sur le territoire, si tu es une famille, puis tu es présent sur le territoire, puis tu as besoin de prélever un animal, que ce soit un orignal ou un caribou, puis tu considères que ta subsistance, tu en as besoin, bien, tu ne vas pas demander la permission au conseil de bande. Comprenez-vous? Tu décides de le faire parce que tu dis que tu en as besoin. Bon, ça peut être correct, pas correct, dépendamment du point de vue qu'on a. Moi, je ne veux pas discuter de ça. Mais il n'y a aucune statistique là-dessus. Mais c'est vrai que les familles peuvent décider de prélever un caribou s'ils considèrent qu'ils en ont besoin sur le territoire. Ça, c'est vrai. Mais je ne dis pas qu'ils le font toutes. Mais ce que je dis, c'est que la soi-disant interdiction du conseil de bande, dans les faits, ce n'est pas une interdiction légale comme nous autres. C'est interdit de voler, puis la police arrive chez vous si tu as volé, là, tu sais. C'est pas comme ça que ça marche, là. Tu vas pas en prison si t'as prélevé un caribou, là. T'sais. Fait que faut faire ces nuances-là quand même. Puis on a vu dans le journal sur la Côte-Nord,
qu'il y a eu du prélèvement dans les dernières années. Là. Il y en a eu du prélèvement. Là. Il y a eu des photos, il y a eu des reportages, il y a eu des choses. On n'est pas là pour accuser personne, mais il faut en tenir compte. Mais actuellement, il n'y a rien qui tient compte de ça. Il n'y a même pas de statistiques, puis il n'y a pas de stratégie non plus pour en tenir compte. On avait M. Foster qui avait levé la main tantôt aussi. Puis, OK, ouais, c'est ça. OK, bien, on va y aller avec monsieur, vu qu'on a le micro, puis on va vous amener le micro, M. Foster. Oui, en tenant que le cas, que le décret passe, là, mettons que le décret passe, là, ça veut dire qu'on n'aura plus accès pour aller à nos camps de chasse, puis on n'aura plus accès en forêt pas tout. Non, ça, ce qui est prévu dans le décret, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction pour l'accès en forêt, pour les baux de villégiature, tout ça. Donc ça, ce qui va être démantelé, comme on parlait des chemins tantôt, ce qui va être démantelé, ce serait seulement les portions qui donnent pas accès à un chalet ou quoi que ce soit, parce que c'est bien écrit que ces activités-là demeurent. Ouais. Mais moi, je vais quand même me permettre de vous faire un commentaire, monsieur, parce que il est important, il est très, très important. OK, la récolte a un impact sur le caribou parce qu'il perturbe le territoire. Mais dans les recherches, puis je pourrais vous amener les recherches, là, ça va me faire plaisir si vous les voulez, la villégiature, ceux qui ont des chalets, ont autant d'impact sur le territoire. En termes de perturbation, c'est proche de 100% sur notre territoire du Pipemarken. 100% de perturbation par la villégiature seulement. On les a fait les calculs, nous autres. Ce qui fait qu'à mon avis, avec la connaissance que j'ai sur le caribou, là, puis il y a des biologistes qui l'ont dit récemment, pas publiquement, là, mais ça va être juste une étape. C'est-à-dire que dans une mesure sur l'habitat seulement, je vous l'ai dit tantôt, il n'y a pas de résultat si on maintient la villégiature parce qu'on n'atteint pas le 35%. La seule façon d'atteindre le 35% de perturbation, c'est d'enlever la villégiature puis d'empêcher les gens d'y aller. Ça risque fort d'être juste une étape. Dans quelques années, si on veut arriver au résultat par l'habitat, par des mesures juste sur l'habitat, on va devoir éliminer la villégiature, à mon avis. C'est mon avis que je vous partage, mais c'est basé sur des recherches. C'est ce que les chercheurs disent, que la villégiature a même plus d'impact sur le caribou que les activités forestières qu'on mène. Pour revenir à la question du monsieur Danto, savoir s'il y avait du caribou là avant. Moi, j'ai déjà travaillé dans ce coin-là, ça fait longtemps. Là. À 60 ans et plus, on en voyait quelques-uns, mais c'était pas énorme. Oui, bien, c'est ça, parce que dans le fond, le caribou a toujours été un animal rare, dans le fond, de par sa nature. Donc, c'est comme un peu un moyen de défense d'être très dispersé sur le territoire, puis de... Mais c'est sûr qu'on s'entend qu'à une dispersion, à un niveau de population de 1,5 caribou par 100 km², ça veut dire que quand il y en a un qui se fait tuer, ou deux, là, ou trois, qui se font tuer par des loups, ou par la chasse de subsistance, ou par le braconnage, vous comprenez que ça a des impacts très importants. Hein? La portée est très grande. Oui, en tout cas, j'ai différents chapeaux, là, mais juste pour juste faire un petit aparté par rapport au plan de gestion sur l'Orignal puis celui du cerf de Virginie. Là. Je siège à la table faune régionale. Puis lors de nos dernières discussions, l'avant-dernière table faune, on avait demandé à ce qu'on fasse quelque chose concernant le cerf de Virginie. Là. Puis la mesure que le ministère il nous a proposée, c'est complètement ridicule. Là. C'est une mesure d'accroissement de la population. Nous autres, ce qu'on avait demandé, c'était d'ouvrir la chasse aux cerfs pendant toute la saison de chasse à l'orignal, pas de saignement de population. Le ministère, en 2026, qui va nous permettre, ça va être les mêmes modalités que ce qui est permis à Sacré-Cœur, c'est une mesure d'accroissement de la population, mâle seulement, une chasse de 9 jours au mois de novembre. Fait que tu n'as plus de chasseurs dans le bois, puis c'est ridicule. Ça, c'est... mon premier commentaire. Le deuxième, c'est plus délicat parce que M. de Montigny est là. J'interroge le rôle du provincial là-dedans parce que, en quelque part, là, le ministre Guilbeault, il a peut-être bien des défauts, il a peut-être des antécédents environnementalistes, là, mais moi, je pense que le provincial, de reporter son plan de caribou, on ne s'est pas aidé là-dedans.
Puis je pense qu'il faut vraiment aboutir avec quelque chose. Puis là, la stratégie de ne pas collaborer avec le fédéral, vous le dites dans le document, il faut que tout le monde s'assoie ensemble et qu'on trouve des solutions. Là. C'est pas en disant « Non, non, c'est notre juridiction, on n'ira pas se mêler. Le fédéral n'a pas d'affaires là-dedans. » C'est pas de même qu'on va régler le problème. Il faut que tout le monde s'embarque. Là. Puis il faut qu'on trouve une solution qui est acceptable pour l'ensemble du monde. En fait, merci d'avoir posé la question, puis est bien clair. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, puis je pense que tout à l'heure, M. Saint-Gelais l'a bien mentionné, là, les discussions ont eu lieu longtemps avec les partenaires du milieu, à la fois avec les élus locaux, à la fois avec Bois-Saco. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où on ne se parle pas, ou à peu près, y compris pendant cet été. On a eu aussi des discussions avec les communautés autochtones. Encore en fin de semaine, je jasais de tout ça avec le chef des SPIT, Martin. Mais il y a aussi une entente qu'on a faite avec Pessamit, une entente ensemble qu'on a signée avec le premier ministre à Pessamit, dans laquelle c'est écrit très clair qu'il faut qu'on arrive à une entente ensemble dans quelques mois sur le territoire du Pipmouagen pour le territoire de protection. Puis aussi le développement éolien sur le territoire, l'ensemble du même territoire. Fait que dans tout ça, là, ce qu'on demande au fédéral, c'est laissez-nous le temps de finaliser nos négociations, nos discussions avec l'ensemble des partenaires du milieu. Mais ce que Guilbeault veut pas, c'est nous laisser le temps de finaliser nos négos avec les partenaires du milieu, y compris Pessamit, avec qui on a signé une pré-entente, puis on a un deadline pour y arriver, puis y compris nous permettre de développer l'éolien sur le territoire de la Haute-Côte-Nord. Ça serait catastrophique que l'intervention de Guilbeault nous empêche de développer le fort potentiel éolien sur le territoire. Puis ça, c'est inquiétant. Fait que ça, on le fait valoir aux fonctionnaires, aux équipes, aux gens de l'équipe de Guilbeault, mais ils sont pas là. Ils trouvent qu'ils veulent faire un décret rapide. Puis là, il y a eu, je dirais, pas mal d'interventions, entre autres des entreprises, mais de Résolu aussi, puis d'autres entreprises, pour faire prolonger le délai. Mais la date, là, ça finissait le 18 ou le 19 là, du mois d'août, là, en plein été, ils consultaient. Fait que ça n'avait pas de sens, cette affaire-là. Fait qu'on ne sentait pas cette volonté de Guilbeault, puis on ne la sent pas encore aujourd'hui. Ce qu'on demande, c'est laissez-nous finir nos discussions qu'on a avec les intervenants, puis on a quand même agi, là. Et M. Saint-Gelais le disait tantôt, là, tout ce qu'on a fait comme aire protégée sur le territoire de la Côte-Nord, là, c'est quoi? De mémoire, me semble, c'est 10 fois le territoire de l'île de Montréal qu'on a ajouté tout récemment, là, quand on a annoncé Charlevoix puis la Gaspésie. On a agrandi notre territoire d'aire protégée dans mon comté. Mais ça, on dirait qu'ils n'en tiennent pas compte de cet enjeu-là, les fédéraux. Fait que c'est bien triste, mais on va continuer à faire valoir qu'on veut finir nos négos. Oui, puis peut-être en tout cas pour parler de nous, le vécu qu'on a eu, là. Ça fait 4 ans et demi qu'on travaille dans ce dossier-là. Puis il y a 4 ans et demi, là, avec le provincial, on était au même niveau qu'on est là. Puis il y a 3 ans, puis il y a 2 ans, puis il y a un an à peu près, là. On était là. Puis c'était la catastrophe. Mais on n'était pas avec un coup près, puis dire on va arriver avec un décret, puis c'était pas parachuté comme c'est là. Fait que vous comprenez, là, on a eu l'occasion d'avoir un processus qui a permis de dire, bon, au niveau du provincial, il y a eu une prise en compte des enjeux, puis dire, oh, regarde, OK, il faut faire n'importe quoi, il faut prendre le temps de mesurer les choses, il faut prendre le temps de voir les impacts, puis il faut prendre le temps de faire les choses aussi. Puis là, ben, M. Montigny disait tantôt, regardez, l'autre entente, on ne la savait pas avec Pessamit, mais c'est tous ces éléments-là qui font que tu ne peux pas arriver, puis bang, comme un chien d'un jeu de quilles, puis dire, on va faire n'importe quoi. Il faut que ça se fasse de manière coordonnée, puis en prenant en compte l'ensemble des enjeux. Puis ça, ben, je m'excuse, mais M. Guilbeault puis son équipe, ils voient rien de tout ça. Quand on a eu la rencontre, puis qu'ils ont eu le culot, moi je dis le culot, André disait tantôt, mais ils ont eu le culot de nous dire que ce projet-là, là, il avait été fait en ayant un équilibre entre les impacts socio-économiques puis la protection. OK? C'est quoi les impacts sur la possibilité forestière? Ben c'est parce que... On les a peut-être pas ces données-là, puis ben, vous avez fait pour que réussir à calculer de quoi? C'est impossible, c'est le premier point de départ pour réussir à voir clair. Ils ne voient pas du tout la situation. Donc, c'est pour ça que nous autres, on dit, le fédéral,
Désolé, là, mais c'est pas la personne, c'est pas l'intervenant compétent pour jouer dans ce dossier-là. C'est déjà assez complexe et sensible comme ça. Je vous dis, ça fait 4 ans et demi qu'on travaille dedans. C'est pas pour rien qu'on a pas mal de data et de données déjà sur ce dossier-là. Et ce qu'on dit, regardez, là, on a assez eu de misère dans ce dossier-là à date, là, pour réussir à le faire cheminer et à s'assurer qu'il n'arrive pas de catastrophe, là. Ben, arrivez pas comme un chien de vue de quille pour nous gâcher un décret avec 60 jours de préavis en plein été, là, de consultation, je veux dire, en plein été. Comprenez, c'est ça qui fait pas de sens. Qu'on laisse le temps de faire les choses aux intervenants qui ont la compétence pour le faire, dans le fond. C'est ça, le principe. Puis pour en revenir, hein? Mais il faut collaborer. Oui, bien, regardez, nous autres, on va collaborer, mais on va collaborer avec les intervenants qui ont la compétence de le faire. Je m'excuse, mais quand même qu'on nous dirait aller rencontrer M. Guilbeault aujourd'hui. Il vient de signer notre arrêt de mort, lui-là, puis ça n'est même pas perçu. Et on va aller quoi? On va aller négocier pour savoir comment, dans combien de temps on va mourir, plus ou moins vite. T'sais. Ça n'a pas de bon sens. Puis regarde, ils nous disent ça a été fait avec cet équilibre-là. Puis en plus, ils nous disent mais les superficies ne peuvent pas changer mais bien plus que ça. Qu'est-ce qu'on va aller faire là? Comprenez? Ça ne veut pas dire qu'on participera pas aux consultations, en passant, je vous le dis. On va y participer. Mais ce ne sera pas pour réussir à être en mode solution avec eux autres. Il n'y a même pas de possibilité de réussir à arriver à quoi qui fait du sens. Vous comprenez? Fait que, puis peut-être revenir peut-être sur le chevreuil aussi. Regardez, c'est ça. Ça, c'est quand même un élément important, mais qui met en perspective. Regardez, toutes les espèces sur la planète là, contribuent. Ont des impacts des changements climatiques, puis les changements climatiques qui s'accélèrent actuellement, malheureusement. Là, on est dans cette dynamique-là. Et André l'a bien dit, là, l'utilisation du bois puis l'aménagement de la forêt, bien, ça a été identifié par le GIEC, là, au niveau de l'ONU, comme un moyen de réussir à combattre les changements climatiques, donc à travailler pour s'aider au niveau à ce niveau-là. Donc, vous comprenez que c'est totalement... contradictoire de dire on va carrément soustraire des grands territoires comme ça, puis qu'on va se priver de la possibilité de d'aménager nos forêts, finalement. Puis l'étude que je vous mentionnais tantôt, là, au niveau de l'Alberta, là, ben c'est pas des farces, là. L'étude dit clairement que la forêt soit aménagée ou non aménagée. On observe la même montée des espèces vers le nord, donc l'orignal puis le loup monte. L'orignal puis le chevreuil monte, puis ses prédateurs avec. Puis malheureusement, mais c'est que ce soit dans un ou dans l'autre, aménagé ou non aménagé, c'est le caribou qui est encore là, perdant de l'équation. C'est plate, mais il y a une réalité de changement climatique que personne ne peut contrôler, finalement. Donc, autre question. Il y a une autre question, monsieur. Oui, Samuel Jalbert, ingénieur forestier. J'abonde un peu dans le même sens que Jean-Marie. Sur la dynamique globale de la chose, là, évidemment, le projet de décret est exagéré là, dans sa forme actuelle, mais on a couru après un peu d'une certaine manière parce qu'on n'a pas agi quand c'était le temps. T'sais, ça ne fait pas 10 ans qu'on parle du caribou. Là, le caribou dans Charlevoix, c'est dans les années 60, qui a été réintroduit. Là, fait que c'est vraiment pas un sujet qui date d'hier. Là, puis je voudrais juste retourner peut-être la question à notre représentant au niveau provincial. Là, la faune, c'en est une juridiction provinciale aussi, là, puis on Bois-Saco nous en apporte des idées, des solutions au niveau du contrôle des prédateurs. Jean-Marie a parlé du cerf du Virginie qui peut transmettre des maladies aux caribous. Tu sais, c'est pour quand le plan à ce niveau-là? Tu sais, vous avez abordé l'habitat puis les négociations avec les Inuits, OK, mais il y en a des solutions qui sont apportées, entre autres, par Jean-Marie à Table Faune, puis ça aboutit pas. Si tu permets, je vais répondre une partie à ça, parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de plan, là. C'est complètement faux. Hein? Il y a un plan depuis 2005, puis il est en application. En 2005, on a déterminé un plan partout dans la province, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis dans nos territoires à nous, puis on a déterminé des secteurs de protection de 150 à 200 km², qui sont en rotation sur 50 et 70 ans. Puis c'est respecté à la lettre. Il n'y a pas de récolte dans les secteurs caribous qui sont protégés actuellement. C'est juste que là, on a dit ce plan-là, il faudrait le modifier. Donc, ça prend un autre plan. Mais on a oublié de dire qu'il y en avait un, puis il était encore là, ce plan-là. Il fonctionne actuellement. Et l'équipe de rétablissement dont je fais partie, elle a aussi un plan de rétablissement avec une série de mesures. Bien, elle a fait le bilan, il est disponible publiquement. Fait que vous pouvez aller voir toutes les mesures qui ont été prises dans le plan de rétablissement du Québec.
par rapport au caribou, puis un paquet de mesures qui ont été faites, puis le gouvernement a investi une centaine de millions dans les dernières années. On peut dire que c'est pas assez, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas de plan. Il y en a un plan, puis je peux vous dire que pour nous, il a été très contraignant dans les 10-15 dernières années, parce qu'il y a des secteurs où il y a de la forêt qui pourrait être récoltée, régénérée, puis on n'a pas pu y aller parce que c'est bloqué caribou. Regarde, c'est le plan qu'on avait déterminé, c'est correct. Mais là, on voudrait un autre plan. C'est beau, mais je veux dire, il faut prendre le temps de le construire. Ce qu'on est en train d'essayer de construire, c'est un nouveau plan. C'est juste ça qu'il faut dire. Il faut vous dire la vérité là-dedans. Puis, nouveau plan qu'on veut faire aussi en concertation avec le milieu. Puis dans ça, il y a un enjeu vraiment important qui est avec la communauté de Pessamite, puis je l'ai nommé tout à l'heure. Puis, c'est pour ça que c'est important pour nous de créer cette entente-là. Tu sais, M. Legault est venu sur la Côte-Nord. Là, ça faisait un bon petit bout qu'il n'était pas venu dans René Lévesque, là. Dans ma circonscription, puis là, il était là, puis on a signé ça avec les élus locaux, avec la population, puis, tu sais, on avance dans ces mesures-là, mais c'est parce que le plan était là, comme vous avez dit, puis là, bien, il y a une modification qu'on est en train de faire, mais on a ajouté quand même des aires protégées qui sont effectivement un peu plus au nord, mais qui ont un impact majeur parce qu'on le voit qu'il y a un certain déplacement, puis on le voit aussi, là... Juste les images que vous avez vues là, sur les papillons de tordeuse, tout ça, là, on a eu ça à Bécomo, il y a un bout dans Manicouagan, puis là, c'est rendu ici, vers Forestville. T'sais. L'impact de la tordeuse sur notre forêt, c'est majeur. Fait que ces éléments-là sont tenus en compte, y compris les impacts des incendies de forêt de l'année passée, puis de ce qui peut arriver, parce que la forêt est assez modifiée. Je pense, entre autres, à un chercheur qui est maintenant malheureusement décédé cette année à l'Université de Chicoutimi, qui nous montrait vraiment la modification que la forêt vit actuellement, qui vient beaucoup plus vers le feuillu, dû, entre autres, au changement climatique. Fait que nécessairement, ça a un impact sur les espèces puis sur la biodiversité, l'ensemble de la biodiversité en forêt, puis la vie des différentes espèces qui y vivent. Là. Fait que tout ça doit être tenu en compte, puis ceux qui veulent qu'on aille vite, bien souvent, c'est parce qu'il y a un objectif en tête qui est bien ciblé puis qui n'est pas aussi large que l'objectif que nous, on a. Là. Regardez, juste peut-être, parce qu'André mentionnait tantôt qu'il y a un plan qui est applicable déjà depuis 2005, mais juste pour vous dire, là, les secteurs en question, là, il y a des secteurs qui sont fortement affectés par la tordeuse, mais là, pour l'instant, bien, il n'y a rien qui se fait là. Puis malheureusement, bien, la forêt périclite, mais... Savez-vous combien ça fait d'années qu'on récolte dans la tordeuse? Ça doit faire peut-être 10-12 ans. Hey, réalisez-vous la quantité d'hectares de forêt qui ont pu être récupérés puis qui ont pu être remis en mode régénération puis qui ont évité de laisser des forêts dépérir puis qui auraient été la proie des flammes? Vous avez vu à Jasper là, les constats, puis là, il y a des analyses qui se font actuellement. Là, parce que là, les gens se disent, bon, ben là, regarde, c'était non-intervention, il n'y avait aucune intervention qui était souhaitée, puis donc, il n'y avait pas. Mais là, à un moment donné, c'est qu'avec le temps, ce qui arrive, c'est qu'ils se ramassent du combustible, de la matière combustible. Donc, il y a des arbres qui viennent trop vieux, qui meurent, puis ben, c'est sûr, malheureusement, que le temps, ça s'accumule. Mais là, quand il arrive un feu là-dedans, ben regardez... C'est le cocktail parfait pour que ça puisse faire des catastrophes comme on voit. Ça fait que, comprenez que, regardons toutes les superficies qui ont été récupérées là, en l'espace de 10-12 ans, là, c'est phénoménal. Puis heureusement qu'on a pu faire ça pour protéger notre forêt. Dans le fond, l'aménagement, c'est un outil pour protéger notre forêt. Puis c'est un outil pour lutter contre les changements climatiques. Puis on peut améliorer la résilience de nos forêts qui subissent des changements à cause des changements climatiques. Parce que nos forêts vont évoluer, hein, on voit là, quand on parle, là, on parle des espèces qui montent vers le nord, là, ben c'est pas juste dans la forêt. Là. Vous l'avez vu dans le fleuve cette année, là, il n'y a même pas eu de pêche à crevettes. Là. Pourquoi? Parce que probablement que les courants d'eau évoluent pas de la même manière. On le sait pas. Mais c'est sûr qu'on peut s'entendre sur un élément, par contre, c'est que les changements climatiques sont probablement interreliés à ça. Hein? C'est, logiquement, en tout cas, on peut penser ça. Ben, je voudrais juste prendre quelques secondes pour répondre. Je connais un peu les plans caribou des années 2000 puis les mesures intérimaires un peu plus récentes, mais ça touche tout l'habitat. Ça, on n'a pas parlé, vous parlez du loup, du contrôle des prédateurs qui donne des résultats, mais sauf erreur de ma part, les plans caribou ne touchent pas au contrôle des prédateurs du tout. Fait que sur ce plan-là, je n'en vois pas d'action concrète là, du gouvernement du Québec. Bon point, bon commentaire, M. Galbin. Mais ce que je veux juste quand même vous dire... Parce que nous, on a quand même suivi le dossier de près. Là. Et la communauté scientifique, là,
le contrôle de la prédation, là, on a bien de la misère avec ça. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est pas politiquement correct, je ne sais pas trop, là. Mais il n'y a pas grand monde qui veut en parler. Mais quand on regarde l'analyse qui s'est faite là, dans l'Ouest, là, mais en 2 ans, là, en faisant un contrôle, puis c'est comme André disait, là, c'est pas, les extrêmes ne sont jamais bons, il ne faut jamais être dans l'extrémisme. Donc, c'est pas de faire disparaître l'espèce, bien sûr que non. C'est d'essayer de contrôler la population. Bien, ils ont réussi à faire doubler les populations de 52%. Puis il n'y a personne, il n'y a pas une communauté qui a été fermée en faisant ça, là. Comprenez? Fait que c'est pour ça, quand on dit qu'il y a des solutions, puis votre commentaire est très bon, parce que justement, il faut que ça fasse partie des mesures importantes, parce que c'est les mesures qui vont avoir des impacts le plus à court terme, qui vont permettre de réussir à changer la donne d'une population qui pourrait être problématique, comprenez? Fait que très bon commentaire, absolument. Très bon point. Puis c'est vrai que ça a changé beaucoup la quantité de loups qui est sur le territoire. Je suis arrivé en 77, puis il y en avait pratiquement pas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a du coyote. Ah oui, il y a deux fois plus de rignots, puis il y a du cerf. Ah oui, ben c'est ça, puis du chevreuil, regardez, du chevreuil, on n'en voyait pas il y a, je ne sais pas moi, 15-20 ans, on n'en voyait pas, là. Il y en a qui en ont observé, ils voient des traces à Labréville. À Labréville, c'est quand même, on commence à être au nord, mais ça suit des tendances qu'on voit pour toutes les espèces, dans le fond. Question ici. Oui. Salut, Mike Transport JAP. Ça fait 6 lettres que vous envoyez. Pas de réponse. En bon québécois, ils se calissent de nous autres. Moi, j'ai 2 ans, j'ai tout quitté par chez nous. Ma famille, mes amis, j'ai vendu ma maison pour venir travailler ici. Puis là, vous l'avez dit, il ne reculera pas. On va-tu vraiment aller vers le concret puis vraiment avancer, faire quelque chose? On parle. Très bon commentaire, sincèrement, puis ça vient du fond du cœur, hein, on le voit, on le sent. Plus que du fond du cœur. Oh, oui. Parce que si on ferme demain matin, là, j'ai tout perdu. J'ai plus de maison par là-bas. Là. J'aurai pas d'autre job ici, moi-là. Là. Je suis camionneur forestier, je veux pas faire de l'asphalte. Très bon commentaire, puis gardez, c'est sûr et certain que je vous en passe un papier, parce qu'ils ont peut-être pas répondu à nos lettres. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que nos lettres ont fait du chemin pareil. Mm-hmm. Puis il commence à avoir de plus en plus d'intervenants qui tendent l'oreille puis qui écoutent. Les médias qui se manifestent, qui se sont jamais manifestés avant. Puis il ne faut pas oublier que M. Guilbeault, c'est M. Guilbeault, mais il y a un gouvernement derrière tout ça. Puis nous autres, on a encore l'espoir que ce gouvernement-là est capable de faire preuve d'équilibre. Au stade où on est, là, on a encore cet espoir-là. Mais de là l'importance de faire toutes les actions qu'on peut faire pour se faire entendre puis s'exprimer. C'est là qu'on est. Là. Il faut qu'on trouve le moyen de faire en sorte qu'il va avoir... Puis là, en disant ça, je n'exclus pas de faire toute action qui permettra de se faire entendre puis de mettre de la pression dans le système. Là. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'acceptera pas ce scénario-là. Là. On n'acceptera pas d'avoir ce destin-là. Je peux vous dire que ils vont nous passer sur le corps. Je vous le dis, là, ils vont nous passer sur le corps s'ils passent ce décret-là. Je peux vous dire. Fait que, fiez-vous sur nous qu'on ne se laissera pas faire et on va aller jusqu'au bout là-dedans. Ça, parce qu'en ce moment, on va se le dire, là, la seule affaire que Guilbeault fait en ce moment, c'est une campagne de vote pour les prochaines élections. Il veut des votes des Autochtones, des gens autour des Autochtones. C'est tous nous autres qui vont payer pour. Bien, regardez, puis ça, il y a déjà des gens... Même les Autochtones vont payer pour, là. Mmh. Oui, bien, c'est tout ça. Tout va diminuer. Là. On est tous dans c'est le même milieu. C'est beau le touriste, là. L'hiver, il n'y en a pas de touristes. On est tous dans le même milieu, hein, puis je pense qu'on n'a pas intérêt ni un ni l'autre, incluant nos communautés autochtones voisines, à ce que nos milieux périclitent. Mais hein. Non, c'est ça, regardez. Et c'est sûr et certain qu'il va avoir... On va continuer à se faire entendre de toutes les manières possibles, puis il faut juste pas lâcher, puis il faut en prendre conscience, regardez. C'est pour ça qu'on est ici à soir, qu'on a fait la rencontre de jeudi passé, puis qu'on va continuer à faire tout ce qu'on peut. C'est qu'il faut qu'on s'éveille le plus possible, l'ensemble de nos collectivités, à dire, regardez, là, il y a un enjeu qui est sérieux, puis qui est grave, puis c'est pas vrai qu'on va laisser aller ce dossier-là sans rien faire. Surtout avec ce qu'on voit comme information, hein, qui ne justifie aucunement une intervention d'urgence. Puis quand vous disiez tantôt là, l'aspect politique, là, ben il y en a qui nous en ont parlé, puis ils nous disent, ben regarde,
Il y a peut-être une volonté de se faire du capital politique là-dedans, là, tu sais. Mais en tout cas, nous autres, on fait pas de la politique, ça, c'est sûr, je tiens à vous le dire, là. On n'est pas là pour faire de la politique. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'acceptera pas de se faire fermer pour aucune considération, surtout pas pour des enjeux des enjeux politiques, comprenez? Fait que c'est sûr que c'est pour ça qu'on va continuer à se faire entendre de toutes les manières possibles. Puis, je pense que, en tout cas, il y a un gouvernement derrière tout ça. Faut essayer de tout faire pour faire en sorte que ce gouvernement-là aille le plus d'informations possible, qu'il voit clair, puis qu'il soit conscient là, que les autres enjeux derrière, là, ils sont bien présents. Là. Donc, je pense que c'est important d'être mobilisé. Parce que moi, demain, j'ai une rencontre avec un média dans le transport qui s'intéresse à notre sujet, qui a appris ça dernièrement. Quand je descends par chez moi à Thetford Mines dans Beauce, une personne sur 10 sur 15 est au courant du caribou. Les autres n'ont pas entendu parler. Autrement dit, là, il y a une grosse majorité au Québec qui ne sait même pas ce qui se passe. Absolument. Ça. Puis qui n'en a rien à foutre parce qu'ils ne savent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe pour qu'il y ait une meilleure communication au Québec. Juste d'empêcher Facebook, les médias, on ne peut pas partager au monde. Ça, c'est déjà une grosse prise contre nous autres. Puis on est loin d'ici, là, de là-bas. Là. Les médias d'ici, là, ils se rendent pas là-bas. Là. Là, c'est cool, j'ai trouvé un média dans le coin de là-bas, de Montréal. Il va peut-être vouloir vous parler. Peux-tu vous mettre en contact? Hésitez surtout pas. Parce que lui, il y a un podcast on aussi. Pas, on n'a pas un podcast aussi. Oh oui, puis je vous dirais qu'on n'a pas refusé une entrevue à date. Depuis le 18 juin, là, je tiens à vous dire qu'on n'a pas refusé une seule entrevue. Puis on va continuer à être dans cet esprit-là, parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on doit profiter de toutes les occasions qu'on a. Puis bravo pour les interventions que vous faites, parce que regarde, je pense que c'est la somme de nos interventions qui vont faire la différence. Faut pas lâcher. Lâchez pas. Ah ben, je veux pas tout perdre. Je me suis emmené ici parce que la place était belle, le métier, le salaire, la prime. Depuis quelques semaines, j'ai de la détresse incroyable, j'ai de la misère à dormir. Je suppose que je m'en vais. Si ça ferme demain matin, je suis obligé de rester pour un an. Mon fils commence son DEP en voirie forestière. Je peux même pas quitter. Il va falloir que je pense à la porte des clés de mon char. Je peux pas donner les clés de l'appartement. Il faut que je reste à quelque part. Fait que ça va être important aussi que M. Montminy... Absolument. On va tout faire pour que ça arrive pas. Là. Moi, je suis avec vous autres. Là, puis je suis ici à soir, pas pour rien. Là. Puis on se parle souvent, là, puis on l'a expliqué, là, l'historique au niveau du gouvernement du Québec, quand on a commencé à se parler, Steve, c'était pas, on n'est pas où on était à soir, là. Puis là, c'est les actions de Québec sont vraiment pas comme les actions fédérales, là. Mais on veut pas qu'il arrive pas en tout ce que vous annoncez, puis on va être là pour... puis s'il y a des marches, s'il y a des manifestations, on va être avec vous autres, là, c'est clair. C'est sûr qu'on va bouger, puis comme Steve dit, on ne se laissera pas faire. Puis moi, ce que j'entends des travailleurs, de la population, que ce soit Sacré-Cœur, Forestville, les gens qu'on côtoie, ils sont déterminés, là. Ça fait qu'on va aller jusqu'à défier le décret s'il passe. Puis il va se passer des actions, puis on va avoir besoin de vous autres éventuellement. C'est sûr que là, comme Steve dit, il y a des étapes. Faut pas précipiter les choses. On fait des contacts, on continue, on met de la pression tranquillement. Mais tantôt, là, ça va peut-être arriver vite. Il va peut-être falloir qu'on fasse des choses un peu plus percutantes. Là, on va avoir besoin de vous autres. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Puis on va vous appeler à ce moment-là. On va vous le dire. Puis je pense qu'on n'aura pas de misère à avoir du monde. Non, c'est ça. Regardez. S'il faut aller là, on va aller là. C'est ça. On ne peut pas faire plus que mourir. Et là, pour l'instant, on est menacé de disparaître. Fait qu'on ne peut pas faire plus que disparaître. Avant de disparaître, je pense qu'on va... On va vendre charmer notre peau, ça c'est sûr, je peux vous le jurer. Juste pour dire aussi un petit peu là, par rapport à ce que M. Montigny disait tantôt, on a quand même eu vendredi passé notre ministre responsable de la région qui m'a lâché un coup de fil pour me dire, regardez, on est conscient des enjeux, puis on va tout faire pour s'assurer que on, en tout cas, faire tout ce qui est possible de faire finalement. Et on a eu l'occasion d'avoir la ministre Maïté Blanchette-Vézina aussi, la ministre de responsable des forêts, qui nous a communiqué et qui a eu l'occasion de nous partager un peu les mêmes éléments, donc dans le fond, qui vont tout faire pour essayer de s'assurer de nous appuyer là-dedans d'une manière ou d'une autre. Donc,
Il y a un gros travail qui a été fait là, auprès du gouvernement du Québec. Puis tous les collègues, mes collègues députés, sont sensibilisés davantage à la situation que vous décrivez. T'sais, mais c'est vrai que les Québécois, en général, n'entendent pas beaucoup parler parce qu'on est beaucoup dans notre quotidien. Mais là, c'est bravo pour avoir trouvé une tribune puis d'en parler davantage. C'est l'addition de ces communications-là qui va faire que la Côte-Nord fait part d'elle pour un enjeu aussi important que celui-là. Là. Ouais, puis juste pour vous dire, juste avant de donner la parole, mais c'est ça, puis regardez, tu sais, je tiens à vous dire qu'il y a 4 ans, on n'était pas là pantoute, là, tu sais. Il y a 4 ans, au sein du gouvernement, même provincial, là, il y avait une bonne partie des ministres qui n'étaient pas nécessairement, puis des députés, des ministres qui n'étaient pas nécessairement au fait, là, de ce dossier-là. Mais là, au moins, le gouvernement est à bonne place au niveau provincial. Il faut juste faire comprendre au fédéral que c'est pas une bonne idée. Il faut qu'ils renoncent à ce décret-là. Puis qu'on puisse continuer d'avancer dans des mesures raisonnées puis mesurées. Dans le fond, c'est ce qu'il faut faire. Oui? Monsieur le député, c'est sûr que quand même, même s'il y a une concertation au niveau provincial et tout ça, la voix est. S'il n'écoute pas Ottawa, c'est, le travail est super, là, mais c'est là-bas, il faut que l'écoute soit là. Fait qu'à ce moment-là, c'est complexe un peu. Je veux savoir, est-ce que vous êtes seul dans cette bataille-là? Est-ce qu'il y a d'autres forestiers qui sont touchés par ce décret-là, présentement? Oui. Oui, il y a d'autres forestières, en tout cas si on regarde dans la région voisinante, parce que c'est sûr qu'on a moins le portrait un petit peu pour Val-d'Or, mais pour Charlevoix, donc Charlevoix, Côte-Nord, c'est ça. Donc c'est sûr que, vous voyez, il y a quoi Forestra, il y a différentes entreprises du Saguenay, principalement Saguenay, plus Saguenay, là, pas Lac-Saint-Jean, plus Saguenay, mais entre autres Forestra, Coop, Ferland-Boileau. Il y a différents intervenants comme ça, qu'on a des échanges avec eux, puis on essaye de voir si on peut faire des choses concertées, finalement, là, c'est ça. Puis c'est sûr que, comme je mentionnais tantôt, là, Alliance Forêt Boréale, donc c'est sûr que c'est quand même un véhicule qui regroupe le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, finalement, donc un paquet de municipalités puis de MRC, donc c'est sûr qu'il y a des choses peut-être concertées qui vont pouvoir être envisagées, qui sont déjà un peu prévues, finalement, donc il y a des choses qui vont se faire de ce côté-là. Je compléterais, parce que j'aime beaucoup votre question. On l'a vu pendant la pandémie, là, que quand on défait des maillons de la chaîne, là, ça a des impacts sur d'autres acteurs de cette filière, des différentes filières économiques. Mais là, dans la filière forestière, si tu brises un maillon de la chaîne avec ce décret-là, bien, ça peut avoir des impacts, notamment pour les copeaux qui s'en vont vers la papetière dans Charlevoix. Après ça, ça peut avoir un impact sur d'autres papetières dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça peut donner des impacts jusqu'en Abitibi-Témiscamingue. Je parlais avec mon collègue Pierre Dufour, qui est ancien ministre des Forêts, qui est maintenant qui est député là-bas en Abitibi-Témiscamingue, qui me disait, Yves, on n'en parle pas beaucoup de l'impact de tout ça, là, mais il y en a jusque chez nous. Là. Fait que, nécessairement, chez Résolu, ça a un impact aussi. Hein. Dans le fond, Ottawa, sans réponse, sans même accusé de réception, je viens qu'on... Ben, à part des accusés réception automatique, okay. Là, qui rentrent seuls, non, c'est ça. Mais on a quand même eu des échanges avec un membre d'un cabinet d'un ministre, mais c'était plus des échanges officieux, ce qui nous disait pas grand-chose. On a une représentante, lui, qui est dans notre circonscription, qui est supposée nous représenter à Ottawa, puis normalement, le ministre devrait y répondre à cette personne-là. Si elle s'adresse directement à elle... À ces gens-là, normalement, devraient donner des réponses. C'est pas mal le rôle, je pense, d'un élu. À ce moment-là, je pense que, à date, là, je ne sais pas si on ne l'a pas trop vu, on n'a pas encore vu beaucoup de commentaires, on n'a pas vu passer beaucoup de choses là, de ce côté-là, là, les interventions qu'il aurait pu faire et tout ça. Je pense que ça serait une bonne idée qui pourrait peut-être vous aider à pousser un petit peu plus sur la voie. Avoir des réponses au bout. Oui, bien, je dirais que notre députée fédérale, Madeleine Gill, on a eu l'occasion de lui parler quand même à plusieurs reprises, c'est sûr, dans tout ce dossier-là, mais on a eu l'occasion de parler aussi avec d'autres intervenants du Bloc, du parti que Mme Gill fait partie. Au niveau du Bloc, il y a quand même eu des interventions aussi qui ont été faites justement pour demander le retrait demander au fédéral à M. Guilbeault de renoncer à ce projet de décret-là. Puis il est question d'une possibilité d'avoir une convocation d'un comité, là, que là, on est en attente un peu de voir les développements dans tout ça, mais il devrait avoir un comité qui va nous permettre de pouvoir aller avoir des rencontres directement là-bas. Puis peut-être d'avoir de pouvoir avoir des comptes un peu de la part de M. Guilbeault aussi. Là. Donc ça, c'est quelque chose qui chemine. On n'a pas vraiment eu de confirmation officielle que ça va se faire, mais c'est
c'est quelque chose qui est en cours actuellement. À suivre. Il y a deux autres questions. Oui. Oh, puis en arrière là-bas aussi. Monsieur Foster. Non, le décret que le fédéral s'apprête à imposer, là, ça s'applique-tu juste pour le pic mondial? Non, ben c'est pour l'ensemble de la forêt du Québec. Il y a juste trois secteurs concernés. Donc, il y a le Pipmoacan, la carte qu'on voyait tantôt. Puis après ça, il y a comme un secteur dans Charlevoix. À Val-d'Or. Puis un secteur à Val-d'Or, c'est ça. Donc, c'est pas dans l'ensemble du Québec. Parce que, vous savez, quand le forestier en chef, après l'annonce du décret, le forestier en chef a fait un calcul, puis il parlait de 14 millions de mètres cubes, là, l'impact. Là. Bien, 14 millions de mètres cubes, c'est justement s'il l'aurait appliqué. Là, parce que le principe du 35-65, s'il applique ça, là, puis c'est un des éléments qui est un petit peu... un élément qui est un peu aberrant dans ce dossier-là. Là. C'est que c'est ce qui crée le plus d'impact. S'il l'appliquait, ce principe-là, à l'ensemble du Québec, ça aurait fait 14 millions de mètres cubes. Puis là, bien, c'est 1,4 million de mètres cubes parce que, justement, c'est les trois secteurs concernés, puis Pipmoacan, Val-d'Or et Charlevoix. Oui, c'est ça. Pour la Gaspésie. Ouais, 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 c'est ça. Oui. Monsieur Perron. Oui. Je voulais juste savoir, c'est les communautés autochtones qui ont décidé du territoire. C'est pas le ministre Guilbeault qui a fait de ronger une carte qui là. On n'a pas toutes ces informations-là. Là. On sait qu'il y a des communautés autochtones, là, un certain nombre de communautés autochtones qui ont adressé la demande, là, qui ont vraiment demandé de la production d'un décret, mais... C'est sûr qu'ils n'ont pas. C'est ça. Le fédéral n'a pas vraiment les informations très précises, donc. Mais on ne sait pas, sincèrement, je ne peux pas vous le dire. On ne peut pas l'affirmer. On ne sait pas. On n'a pas eu ce détail-là. C'est caché. Autre question ou commentaire? Gênez-vous pas. Oui. Peut-être mentionner que j'ai fait des démarches auprès du gouvernement forestier Québec. Il devrait avoir quelque chose. OK. Ah. On a un conseil d'administration au 14. On va avoir des suites. D'ici à la fin des consultations, il devrait avoir quelque chose. Ah, ben, bravo. Ben, merci, Jean-Marie. Puis bravo. Ben, c'est ça, je pense que toutes les organisations provinciales qu'on peut avoir l'occasion de solliciter puis qui peuvent être en appui, il n'y en aura pas de trop, là, sincèrement. Je pense qu'il faut prendre tous les appuis possibles qu'on peut avoir. Donc, ça ferait le tour. Ça va pour les questions? Ben, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Répondu favorablement, d'avoir consacré votre soirée du lundi. Merci beaucoup.